Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séquence de Fiddle, séquence numéro 13, qui nous portera chance, j'espère, et qui est sur le Deep Reinforcement Learning. Alors, comme d'habitude, les ressources sont disponibles sur fiddlecnrs.fr. Pour les doctorants, récupérer leur attestation, alors petit changement, effectivement, il faut se loguer avec son nom et son prénom pour pouvoir retrouver son attestation correctement et facilement. Les différentes listes donc Fiddle Information List, Devlog, Service CNRS.fr, Calcul, List Math, CNRS.fr. Le contact Fiddle, donc contact@fiddle.cnrs.fr. Donc séquence numéro 13. Donc on touche bientôt à sa fin sur le type Reinforcement Learning. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, oui, ça va être, on va distinguer. Bon, il y aura une introduction avant, j'aurais pu mettre un 13.0. On va voir l'apprentissage par renforcement, le reinforcement learning dit tabulaire. On va définir ce que c'est après. Et ensuite, effectivement, tout ce, le deep reinforcement learning, donc avec la famille des DQN et des policy gradients. Et puis enfin, on aura une petite partie perspective. Voilà. Je définis, oui, ensuite la différence entre le reinforcement learning tabulaire classique et deep reinforcement learning. Donc, on va faire une introduction d'abord avant d'attaquer le reinforcement learning tabulaire. Alors, directement, oui, pour les ressources et pour aller plus loin, les lectures. Alors, le premier point, donc c'est le book de Sutton et Bartow, Reinforcement Learning, c'est un peu la Bible. Donc, c'est au moins Sutton, je pense, et Bartow aussi, sont professeurs émérites du MIT. Et donc, c'est disponible en format PDF, chapitre par chapitre, gratuitement sur Internet, ou sinon, il y a la version papier. Donc là, il y a. Concernant le reinforcement learning tabulaire, là, il y a vraiment tout, 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 tout. Et après, il y a de grosses parties sur le deep reinforcement learning, où, bon, là, c'est moins décrit, mais bon, il y a les bases. Et pour ceux que ça intéresse, effectivement, on ne va pas traiter AlphaGo dans notre présentation, mais il y a tout un chapitre sur AlphaGo dans le livre de Sutton et Bartow. Après, j'ai mis un autre livre, effectivement, qui est présent sur Manning. Donc. Le gros king deep reinforcement learning, où là on a vraiment c'est vraiment axé deep reinforcement learning avec les différents modèles, donc livre de Miguel Morales me semble-t-il. Et ensuite un certain nombre de documentations qu'on peut trouver sur Internet, donc Spinning Up, c'est la documentation OpenAI sur le reinforcement learning, deep reinforcement learning notamment. Et après, il y a un certain nombre de liens de cours d'université, oui, de cours des vidéos, des blogs, donc pas mal de ressources. Alors, sachant que c'est du dense, c'est des cours version 30 heures ou 40 heures. Donc là, on vous fait un résumé en 2 heures, 2 heures et demie, ce qui est précieux. Alors, pour mapper effectivement notre reinforcement learning, donc dans l'intelligence artificielle, on y met le machine learning, sachant qu'il n'y a pas que le machine learning, mais bon, c'est la grosse partie actuelle de l'intelligence artificielle. Dans le machine learning, il y a le deep learning. On avait déjà vu effectivement, donc on a l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, et on rajoute cette troisième catégorie qui est l'apprentissage par renforcement. Alors après, on a mis des intersections, donc bon, entre le supervisé et le non supervisé, effectivement, on a le semi-supervisé, le self-supervised learning, le soi-même supervisé. Et donc en transversal, le deep learning, on a vu supervisé en deep learning ou en machine learning classique. Donc pour le reinforcement learning, ça va être la frontière, ce qui est
apprentissage par renforcement sans deep learning, c'est ce qu'on va appeler le reinforcement learning tabulaire. Et avec deep learning, avec réseau de neurones, ça va être le deep reinforcement learning. C'est ça la frontière. Alors, une petite chronologie qui provient effectivement du livre de Sutton et Bartow. Donc, on a trois branches effectivement au début du première moitié du XXe siècle, qui sont le trial and error learning, donc apprentissage essai-erreur, qui a commencé dans les années 30 et qui provient effectivement de la psychologie et de l'étude de l'éthologie, quoi, de l'étude de l'apprentissage animal. Dans les années 50, l'optimal contrôle, donc là on est plus dans la robotique, avec notamment vers ensuite tout ce qui est fonction de valeur, dynamic programming. Et ensuite, troisième branche, le temporal différence, on verra ensuite aussi, qui provient de l'apprentissage animal, de la théorie des jeux. Ensuite, ça s'est réuni en donc, ce qui a donné le renforcement learning donc tabulaire moderne avec le Q-learning et le SARSA dans les années 80. Dans les fin des années 80, quoi, oui, dans les années 90, on a eu des essais avec des réseaux de neurones, sur neurodynamique programming. Et enfin, effectivement, à partir de 2013, c'est le papier sur les jeux Atari avec les réseaux DQN qui ont vraiment lancé le deep reinforcement learning. Et puis après, bon. Et puis après, bien sûr, il y a d'autres choses. Alors, si on remonte la chronologie, donc oui, tout ça, on va le voir ensuite. Ça s'inspire donc le reinforcement learning du monde de la robotique et de la théorie des jeux. En amont, effectivement, au début, je cite Richard Bellman, donc mathématicien américain, connu entre autres pour son expression là, sur l'enfer de la dimensionnalité. Et là, dans ce qui nous intéresse, c'est les équations de Bellman, donc en optimal contrôle et tout ce qui est dynamic programming. Donc, c'est lui le père de tout ça. Et ensuite, Marvin Minsky. Alors, Marvin Minsky, on en avait parlé à la première session en tant que responsable avec sa critique du perceptron de l'hiver du connexionnisme. Donc un peu responsable du retard pris dans tout ce qui est réseau de neurones. Donc là, c'est une manière de le réhabiliter, parce que ça reste quand même un père de l'intelligence artificielle, qui en fait sa spécialité, c'est effectivement de mettre en pseudo-algorithme presque toute la cognition humaine, même au niveau de la psychologie. On lui doit pas mal de choses, on lui doit. Son livre majeur, c'est Society of Mind. Donc, c'est le fait que notre esprit est, peut être vu comme un multi-agent. On est plein de petits agents robotiques dans notre tête. Pour ce qui nous concerne, effectivement, c'est une espèce de cas test de Marvin Minsky. C'est typiquement le bras articulé robotique qui manipule des cubes pour enfants. Voilà. C'est lui qui a fixé ça. C'est un peu ma réhabilitation. Quelqu'un, voilà. Il a écrit beaucoup de choses, il a dit certaines bêtises et d'autres, et beaucoup de choses très intéressantes. Et enfin, donc pour celle-là, à la fin, effectivement, donc actuellement, les grands acteurs du Deep Reinforcement Learning sont DeepMind en premier lieu. Donc le papier de 2013, c'est des gens de DeepMind et OpenAI. Donc DeepMind qui est passé chez Google, OpenAI. Voilà. Alors, donc la base du reinforcement learning est souvent représentée comme ça. Donc, ça provient en fait de la robotique. En robotique, effectivement, on a un cycle agent robotique environnement action état et action état avec donc état c'est des mesures de l'environnement. Hop, ce qui provoque une action donc codé en dur. Et là, dans notre cas du reinforcement learning, on rajoute les rewards, la récompense,
sur l'action, ce qui apporte effectivement l'apprentissage par renforcement. Donc, il mesure, il agit, il a un retour, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça qu'il apprend. Ça ressemble un peu au dressage animal, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Récompense. Donc, récompense positive ou négative, hein, on est d'accord. Primordiale, c'est donc l'environnement, définition de l'environnement. Alors, les environnements et leurs différentes caractéristiques classées effectivement dans l'ordre de complexité. Donc, en haut, quoi, disons, en bas, c'est le monde complexe, en gros, la réalité. Et là, en haut, donc les parties jaunes, c'est tous les environnements simplifiés du monde réel. Donc en premier lieu, effectivement, on a les jeux simples, type Gris World en damier. Après, on peut citer les jeux vidéo, les simulateurs robotiques et enfin la réalité. Donc si on fait le tour, le monde réel est partiellement observable et on peut le simplifier en pleinement observable. Donc pleinement observable, c'est effectivement les jeux en damier. Si vous connaissez effectivement tout ce qui est modèle de Markov caché, c'est à peu près de ça dont il s'agit. Donc on n'a pas toutes les informations pour déduire l'état, mais on les on connaît, quand on n'a pas toutes les informations, pardon, pour connaître l'état, mais on les déduit de quelques informations communes, ou aussi potentiellement effectivement un environnement tellement grand. Donc là, c'est la problématique du Go, quasiment qu'on considère comme quasiment infini peut être considéré comme partiellement observable. Deuxième caractéristique. Le stochastique ou le déterministique. Donc le stochastique, on choisit une action, mais on n'est pas sûr du résultat. Là où déterministe, pardon. Là où déterministe, effectivement, on choisit une action et on est sûr du résultat. Statique ou dynamique. Donc statique qui n'évolue pas dans le temps, dynamique qui évolue dans le temps. Épisodique ou séquentiel. Épisodique, c'est dans le monde du jeu avec le début d'une partie, la fin d'une partie. On connaît la fin. Séquentiel, donc il n'y a pas de fin. C'est la vraie vie, c'est temps après. Étape après étape, itération après itération. Monde discret ou continu, donc la description de l'environnement soit continue ou discret, et surtout le contrôle, les actions. Est-ce qu'on doit les prendre? On peut les prendre de façon discrète. Je vais tout droit, à droite, à gauche, en haut, en bas, j'appuie sur A, j'appuie sur B, ou de façon continue. Je vais à telle vitesse, le robot qui s'articule, la voiture autonome, etc. Dernière caractéristique, mono-agent, donc un agent face à son environnement tout seul, ou en multi-agent. Avec d'autres robots, donc de façon soit collaborative ou soit en adversité. Donc voilà, oui, donc en bas, donc oui, la réalité, effectivement, on est dans le. Dans tout, on casse toutes les cases du complexe. D'où. Pardon. Au niveau des applications. Bon, déjà, on l'avait un petit peu abordé, mais tout ce qui est auto-ML, donc apprentissage d'hyperparamètres, par exemple, ou d'architecture de modèles de façon optimisée. Bon, là, on est sur du reinforcement learning qu'on pourrait déclarer comme tabulaire. Donc, un réseau, on imagine une certaine architecture avec un certain nombre de paramètres. On l'entraîne et l'évaluation de l'entraînement, c'est notre récompense. Et après, on change les paramètres, on entraîne en boucle. En bas, c'est tout ce qui est recommandations publicitaires. Alors, l'avantage du reinforcement learning sur la recommandation publicitaire par rapport à l'apprentissage supervisé.
C'est qu'on va pouvoir, on va pouvoir personnaliser en fait notre recommandation. L'utilisateur fait un feedback, c'est ça la récompense. Donc du coup, en fait, la recommandation peut se faire vraiment en fonction de l'utilisateur et de son avis personnel à lui, et non pas dans un groupe de personnes comme ça se fait normalement la publicité. Bon, ensuite, on a les jeux de Go, quoi, les jeux de société, jeux de Go avec AlphaGo notamment. Tout ce qui est trading, finance, potentiellement, on peut le faire en reinforcement learning. Alors après, il y a un sujet sur la simulation, parce que bon, faire apprendre un robot avec ses propres sous, c'est un peu dangereux. Les jeux vidéo, bien sûr, qui est un gros bloc du reinforcement learning. Et après, tout ce qui est un peu plus réel, donc la robotique avec des tâches spécifique, un peu simplifié, les voitures autonomes, les robots qui marchent et qui dansent. Donc là, c'est Boston Dynamics. Bon, à noter que les voitures autonomes et Boston Dynamics, c'est pas du 100% reinforcement learning, quoi. C'est un peu le mythe de faire marcher ça en apprentissage par renforcement, mais dans la réalité, sur le papier, c'est pas encore ça. Alors, justement, nos limites pour le reinforcement learning, pour l'apprentissage par renforcement, c'est qu'on a nécessairement besoin d'un simulateur. Bon, apprendre directement sur la réalité, c'est un peu coûteux en termes de. Si c'est de la robotique, il y a de la casse. Si c'est de la finance, il y a des pertes. Donc, on a besoin d'un simulateur qui représente au mieux la réalité, pour le coup, la réalité applicative. Et effectivement, on a une grosse problématique de passage entre le simulateur et le monde réel. Donc là, on voit effectivement un robot qui apprend à marcher dans le monde réel, ça ne se passe pas très bien. Et puis, on peut imaginer un drone, effectivement, qui marche en intelligence artificielle et qui ne prend pas en compte tous les cas de la nature, type un rapace qui s'attaque au drone. Alors, point, donc, oui, différence entre apprentissage par renforcement et apprentissage supervisé. Bon, ce qu'on pourrait faire en supervisé, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en apprentissage par renforcement ou inversement? Ce qu'on fait en apprentissage par renforcement, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire en apprentissage supervisé? Alors, les distinctions sont celles-ci. Effectivement, pour l'apprentissage supervisé, on a besoin en amont d'un dataset d'expérience entier. Donc, on peut considérer que c'est compliqué sur une tâche robotique quasiment réelle de collecter tout un dataset entier de cas représentatifs. Il n'y a pas d'exploration possible, on verra ensuite de quoi il s'agit, mais on peut comprendre qu'effectivement, si l'environnement est dynamique et changeant, c'est compliqué de récupérer en amont un dataset d'expérience. Par contre, effectivement, ça va plus vite, l'apprentissage supervisé. En face, effectivement, l'apprentissage par renforcement, on est sur de l'apprentissage en temps réel qui est lent. Cette histoire de récompense est difficile à designer. En termes d'infrastructure, c'est compliqué de collecter effectivement des données en temps réel. Sachant que l'apprentissage en plus continue à l'infini. Donc voilà, c'est une infrastructure lourde. Et de manière générale, basculer ce qui peut être fait, quoi, les cas classiques de l'apprentissage supervisé, se dire qu'on va les passer en apprentissage renforcé n'est pas forcément une bonne idée. Ça devient tout de suite plus complexe pour quelque chose qui se fait très bien en apprentissage supervisé. Alors, on reprend un peu la même idée, mais effectivement, donc dire que notamment le deep reinforcement learning est à la mode, hype, cool, mais difficilement applicable. Alors, pourquoi cool? Parce que oui, on est assez impressionnant, parce qu'on est proche de ce qui peut s'apparenter à l'IA forte,
Donc, c'est-à-dire de l'IA qui reproduit, qui singe le comportement humain. Donc, bon, des IA qui sont capables de marcher, des IA qui de jouer, apprendre d'eux-mêmes à jouer à un jeu vidéo. Cependant, effectivement, aujourd'hui, les applications réelles ne marchent pas très bien. Alors pourquoi? Donc il y avait cette notion de unpredictability, donc c'est-à-dire donc imprédictibilité. Donc c'est ce qu'on avait vu avant. Effectivement, il était difficile de basculer entre simulation, donc environnement synthétique ou environnement virtuel, ou à la réalité physique. On sait donc un coût important en temps, donc pour entraîner un environnement réel. Oui, qu'est-ce que c'est? Oui, donc les données problématiques, donc d'accès aux données, l'apprentissage est continu. Effectivement, un banc d'apprentissage de reinforcement learning, il apprend toujours, dans le temps, de façon infinie. Donc l'infrastructure temps réel, effectivement, est compliquée, caméra, robotique, capteur robotique, etc. C'est compliqué à mettre en œuvre. Donc la définition de la fonction de récompense est quelque chose aussi de complexe. Voilà. L'alternative au reinforcement learning, quoi, une des alternatives principales au reinforcement learning, c'est toutes les méthodes dites génétiques, où en fait on génère un nombre important d'agents avec de façon au début en tout cas aléatoire et on les lance dans l'environnement. On évalue chaque agent et on choisit les meilleurs et on va en fait les comme dans la théorie de l'évolution, on va les muter et générer une nouvelle population d'agents. Donc à partir de ces mutations, et on boucle, on boucle, on boucle jusqu'à obtenir une solution optimale. Alors ça marche bien justement dans l'illustration, là, donc dans typiquement un petit jeu de voiture ultra simple, hein, le circuit on ne voit pas, mais il est simplement en rectangle, il y a quatre virages, on lance je sais pas, un millier d'agents à peu près. Et puis, hop, au début, les voitures se crashent, et puis ça boucle, ça mute, et on obtient assez rapidement effectivement des voitures qui sont capables de faire le tour du circuit. Alors, c'est bien, ça marche bien pour quand même des environnements assez simples où il n'y a pas des milliers de combinaisons de stratégies différentes. Par contre, oui, un point positif, c'est que en termes de capteurs, de mesures de l'environnement, on a besoin de moins que pour l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire, oui, on génère effectivement des agents donc configurés de façon un peu aléatoire au début. On les lance dans l'environnement et on va mesurer seulement la fonction d'évaluation à la fin, ce qui est moins compliqué. Que la récompense et surtout que la mesure de l'état, le capteur de l'état. Hop, voilà, j'ai terminé la partie d'introduction. Donc, on va partir maintenant sur l'apprentissage par renforcement dit tabulaire classique. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être? Est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Je ne sais pas s'il y avait des questions à ce niveau-là. Petite question, mais je ne sais pas, on peut peut-être avancer et puis on Oui, regroupera après, les oui, questions avec dans deux l'étape. slides, de toute façon, il y a un moment, il y a un petit sondage. Alors, pardon, je reviens à un truc. On va suivre dans le reinforcement learning, je précise, on va suivre ce que j'avais présenté en chronologie.
Donc, c'est-à-dire les trois branches qui ont permis de créer l'apprentissage par renforcement, que sont le contrôle optimal, l'apprentissage par essai-erreur, le temporal différence. Et ensuite, on va voir effectivement les algos de reinforcement learning des années 80, donc qui correspond aux années 80. Alors, ça va être, on va voir un certain nombre de concepts qui vont nous intéresser ensuite pour le deep reinforcement learning, mais on ne va pas tout voir de l'apprentissage par renforcement dit tabulaire. Là, je vous renvoie, si vous voulez tout connaître, sur la biblio que j'avais présentée au début. Alors, on commence par l'optimal control. Donc, avec notamment ces environnements Grid World et tout ce qui est Markov Decision Process, MDP. Donc, à gauche, on a une chaîne de Markov qui représente un diagramme d'état. Donc, les S, S2, quoi, S1, S2, on est sur les states, les états. Et pour passer d'un état à l'autre, on fait une action. Potentiellement, on a une récompense. C'est la petite flèche plus 5, moins 1. Et on a une probabilité. Donc, par exemple, de S1, on peut l'action 0 nous amène en S0 à 70% ou revient en S1 à 10% et en S2 à 20%, etc. Donc, on peut déterminer déjà, entre les environnements déterministes ou stochastiques, là, c'est quelque chose qui traite déjà ces deux critères-ci. Donc, sur un grid world, là, on imagine nos petits robots qui essayent de récupérer un diamant, c'est leur récompense. Mais attention, il y a des cases avec du feu où ils reçoivent une récompense fortement négative. Ils sont dedans. Donc, la méthode déterministique, quoi, les stratégies déterministiques, c'est-à-dire quand on décide une action, ça va là où ça doit aller, donc tout droit, il va tout droit. Là où les environnements stochastiques, une action peut nous mener effectivement en termes de probabilité à des endroits différents. Donc si on choisit tout droit, il y a quand même une forte probabilité qu'on aille tout droit, mais on peut aller à gauche ou à droite. Donc, ce qui nous permet effectivement de définir les équations de Bellman. Alors, je vous laisse un peu regarder. Donc, l'idée, c'est donc on a deux équations, on a les deux fonctions, pardon. Les fonctions VS, fonction de valeur d'état, et les fonctions QSA, fonction de valeur état-action. Alors plus tard, je me permettrai d'utiliser la terminologie de fonction V, fonction Q, ou fonction d'état, ou fonction état-action. On voit, en fait, on a un lien assez évident entre les deux, assez facile. Donc on bascule de la fonction V ou la fonction Q. La fonction V, donc la première ligne, pour un état donné, c'est donc la fonction Q maximale, sachant que la fonction Q correspond à, donc pour un état donné, à une action donnée. Donc on peut passer donc la fonction Q. Pour calculer la fonction Q, on prend la récompense pour un état et une action. Et on l'additionne aux fonctions V des états voisins. La fonction V peut s'écrire effectivement autrement. C'est le développement de la première et de la deuxième ligne, la troisième ligne. La quatrième ligne, c'est le développement de la deuxième ligne et de la première ligne aussi. Donc on passe de l'un à l'autre avec une fonction juste maximum représentée en dessous, effectivement dans un grid world là où donc on peut imaginer la récompense 1 là encadrée, c'est le diamant qu'on doit obtenir, le moins 1 c'est le chemin de feu. Donc à gauche, ce
qui est représenté, c'est les fonctions V. À droite, ce qui est représenté, c'est les fonctions Q. Donc, pour un état, une action, on retrouve, si on regarde le max, on voit ce que dans le tableau V, c'est ça qui correspond. Et donc là, le principe, effectivement, c'est de diffuser nos récompenses de départ, connues au départ, sur tous les états. Et pour cela, donc pour obtenir les valeurs qu'on a, on est dans un monde stochastique où on a vu l'action décidée a 84% de chances de se réaliser. Par contre, il y a 8% de chances de décaler sur la droite ou 8% de chances de décaler sur la gauche. On a un gamma de 0,96. On va voir ensuite à quoi ça correspond. Donc, dans l'exemple, là, on voit que le robot il fait le tour pour aller récupérer sa récompense et pour éviter effectivement de tomber dans le piège. C'est la stratégie qu'il a décidée. Alors, justement, ce gamma qu'on appelle discount rate, alors c'est une notion à garder en tête parce qu'on l'utilise dans tous les modèles de reinforcement learning. Donc, c'est un hyperparamètre en plus du learning rate, donc le discount rate. Donc en fait, ça correspond lorsqu'on a une trajectoire de récompense. En fait, on va, donc étape après étape, on va ramasser des récompenses. On va appliquer en fait un discount rate donc entre 0 et 1, ça ne va pas au-dessus de 1. Donc s'il est à 1, en fait, quelle que soit la distance de la récompense, bah, ça a la même valeur. Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est un espèce de rapport au temps, donc une récompense plus ou moins lointaine. Est-ce qu'on la prend, donc elle se dilue dans le temps Donc voilà, oui, donc les cases. Si on reprend l'exemple précédent, donc là je regarde le petit grid word à droite ici, si on change la valeur du gamma et qu'on le met à 0,9, sachant qu'il était à 0,96 avant, et ben là, effectivement, il va choisir le chemin le plus court, quitte à risquer de tomber dans le feu. Parce que on dégrade un petit peu la valeur des récompenses lointaines, donc il juge préférable effectivement de passer par le chemin du cours. Alors, pour réfléchir un peu à cette notion de discount rate, pour que vous l'ayez bien en tête, je vous propose un petit sondage un peu bêta, mais qui disait effectivement quel discount rate vous appliquez à vous-même dans la vie. Alors à l'échelle du jour, donc 0,1, 0,5, 0,9, c'est-à-dire ce que vous allez ramasser comme récompense positive ou négative demain, est-ce que ça vaudra 10%, 50%, 90%, ou dans une semaine, est-ce que ça vaudra, faites le calcul, 0,1 fois puissance 7, ou 0,5 fois puissance 7, ou 0,9 fois puissance 7. Donc, je lance le sondage. Lancer si tu veux. Oui, voilà. Je le lance. Après, s'il y a des proverbes qui vous viennent en fonction de ça, il y a donc peut-être un tien vaut mieux que deux tu l'auras, ou demain est un autre jour. S'il y a d'autres proverbes qui vous viennent en fonction de ça, vous pouvez le mettre dans le chat. Si vous avez des questions, on peut passer le moment pour prendre des questions. Alors, il y avait des questions, il y avait une question de Mine à laquelle Nathan a répondu concernant, alors c'était au tout début en préambule, concernant la descente de gradient version stratégie d'algorithme de convergence auquel
question laquelle. Alors, ben, je reprends ta réponse, Nathan, mais si tu veux la redire de vive voix, tu me coupes, tu me corriges. Est-ce que les algorithmes de convergence étaient sans doute plus précis, mais beaucoup plus coûteux en termes de calcul? Et en plus, cette précision n'était pas très intéressante du fait qu'on travaillait par mini-batch, donc on perdait l'intérêt de cette précision sur les stratégies de convergence. Donc, du coup, les missions de gradient sont moins précises, mais plus efficaces. Ouh là là, c'était une question pour plus tard. Bah, c'était en préambule, voilà. Pour ne pas éviter qu'on l'oublie, j'avais noté. Et puis, il y a une question de Philippe sur l'apprentissage par renforcement versus oui. régression. Et, oui. Question à laquelle a répondu Nathan. Pareil, Nathan, si vous me coupez et reprendre ta réponse, sans que je déforme. Enfin, en tout cas, ce qui est... Ce sont deux problématiques différentes, de la même façon que la régression est une problématique différente de la classification. Dans un cas, dans le cas de la régression, on essaye de prédire une valeur. Dans le cas de l'apprentissage par renforcement, on définit une stratégie, un comportement. On essaye de trouver un comportement optimal dans un contexte. Voilà. Donc, c'est deux problématiques différentes, en fait. Il n'y a pas de superposition de ces deux techniques. Quoi. D'accord. Bon, en termes de résultats là, de sondage, on a bon, 60% des gens qui ne se mouillent pas trop, qui disent 0,5, 50%, parce qu'il y a 50%, oui. Les récompenses du lendemain valent à peu près 50% par rapport à aujourd'hui. Après, on peut dire qu'on a 22% de gens, je sais pas, bon père de famille, quoi, qui c'est bon 80, père, ouais. à 90%, et puis on a 18% de tête brûlée, peu importe la récompense du lendemain, l'instant présent, il n'y a que ça qui compte. Je termine le sondage. Ah, tiens. Ok. Pardon. Alors, on va continuer. Donc, on est toujours dans l'optimal contrôle et on va parler effectivement du dynamic programming. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire. Bon. Le dynamic programming n'est pas du machine learning, hein, du coup c'est de l'algorithmie, et donc on est dans des cas d'application très limités, c'est-à-dire que par rapport à nos environnements, c'est forcément des MDP finis, donc qui sont statiques dans le temps et épisodiques avec un début et une fin, et parfaitement connu, donc pleinement observable. Oui, parce que donc oui, alors dynamic programming, on va le voir ensuite, mais l'idée c'était de diffuser les récompenses dans notre grille reward, or le calculer de façon récurrente, ça peut devenir très vite compliqué. On ne sait pas trop effectivement par où commencer. Est-ce qu'il faut commencer par la fin? Mais donc il y a des récompenses à la fin, en milieu de parcours. Comment les diffuser? Donc avec une algorithmie rétro, effectivement, ça devient très compliqué. Donc le dynamic programming, l'idée c'est qu'on va segmenter le problème en étapes temporaires et plus simples, donc à différents points dans le temps, et on va faire étape par étape. Voilà. Donc c'est divisé pour mieux y régner. Oui, par contre, effectivement, le dynamic programming, applicable seulement, ça reste applicable finalement seulement donc ce qu'on vient de dire au MDP fini et au modèle parfaitement connu. Et si l'environnement est très large, ça devient vite impossible à computer. Alors, un exemple effectivement de dynamic programming pour notre contrôle optimal avec nos fonctions de valeur
Alors, il y en a plusieurs, hein, des algorithmes de dynamic programming. Celui-là, c'est le policy itération. Il y a le value itération. Et bon, l'idée, c'est on part de notre grid word. On a nos récompenses connues. Donc, la fin, donc là, par contre, pourquoi pas la fin du parcours. Potentiellement, on a des pièges au milieu. On initialise en fait toutes nos cases avec les cases qui ont une récompense connue, c'est une récompense connue, et les cases sans récompense connue, on met une valeur au hasard. Et donc, on choisit une stratégie, une trajectoire au début au hasard. On évalue cette stratégie, cette trajectoire. Donc, étape par étape dans la trajectoire, on calcule la fonction d'état par rapport à la récompense et la fonction d'état du voisin, de la prochaine étape. Alors, ça bouge, on fait une boucle parce que en fait, ça se diffuse petit à petit. Donc, on boucle jusqu'à ce qu'on... Pour une valeur faible, effectivement, il n'y a plus de... Donc, on descend sous une valeur, quoi qu'il n'y ait plus de changement. Donc, on a convergé vers les fonctions de valeur pour cette stratégie-là. Ensuite, donc étape 3, on met à jour la stratégie, on choisit la meilleure stratégie en fonction des nouvelles fonctions d'état calculées. Et ainsi de suite, on reboucle, on réévalue la stratégie, etc., jusqu'à une convergence finale. Donc on est en évaluation, mise à jour de la stratégie, évaluation, mise à jour de la stratégie, évaluation, mise à jour de la stratégie. Donc, la mise à jour de la stratégie, là, c'est le terme de greedy, donc c'est la stratégie glouton, donc avec les meilleures valeurs d'état. Alors, jusque-là, dynamic programming, ce n'était pas de l'apprentissage. On a vu que c'était juste sur un environnement pleinement observable, calculer toutes les valeurs d'état. Là, on bascule maintenant dans les possibilités d'apprentissage avec cette partie d'apprentissage, essai et erreur. Donc, on reçoit un agent qui reçoit des récompenses positives et négatives, mais avec cette notion... un peu amusante à transposer dans notre réalité, c'est que donc you win or you learn, on va plus apprendre d'échecs, d'erreurs. Donc voilà, loser, c'est quoi, perdre, c'est apprendre. Donc on représenté par des petits enfants, donc une succession d'échecs dans l'enfance mène à des gens intelligents, là où peut-être une succession de gâteries mène à quelqu'un de pas très accompli. Jugement complètement gratuit, je sais, appliqué à vous ou pas, je sais pas. Problème important, effectivement, c'est cette balance à faire entre exploration et exploitation. Donc, un modèle dans un contexte d'apprentissage, on reçoit des récompenses. Est-ce qu'on va se servir de nos expériences connues pour choisir la meilleure stratégie, ou est-ce qu'on considère qu'on n'a pas encore exploré tout l'environnement et qu'on manque certainement de connaissances? Donc là, c'est donc exploration, exploitation. Donc illustré par ce schéma, effectivement, entre aller manger dans la cantine à peu près correcte qu'on connaît, ou le nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, qui a l'air tout beau, mais bon, on ne connaît pas la qualité du repas. Qu'est-ce qu'on choisit? Les risques. Le risque de la nouveauté Voilà. Donc, en apprentissage par renforcement, on va parler... il y a plusieurs stratégies, mais la plus utilisée et une des plus efficaces, finalement, c'est la stratégie très simple, dit Epsilon Greedy.
Donc le greedy, c'était le greedy de tout à l'heure. Donc on va choisir greedy, on choisit la stratégie qui donne la valeur d'état maximum, sauf qu'avec une notion de epsilon, donc en fait, avec un critère donc A et B, disons que bon, allez, si on prend 20, donc l'exemple 20% un epsilon à 0,2, 20, donc 20% du temps on va explorer, c'est-à-dire que finalement on va choisir une action de façon aléatoire, et 80% du temps on va exploiter, donc on va choisir l'action qui nous donne le meilleur résultat de valeur en termes de fonction d'état. Par contre, effectivement, on comprend bien que le temps de l'apprentissage, il est intéressant au début, puisqu'on ne connaît pas grand-chose, le modèle ne connaît pas grand-chose sur l'environnement, d'explorer au maximum, donc on aura un epsilon O pour... à la fin de l'apprentissage, au fur et à mesure du temps, sachant que l'apprentissage, finalement, on peut considérer que tant qu'il y a un petit peu d'exploration, pardon, on va continuer à apprendre. Donc en fin d'apprentissage, on arrive à un epsilon bas avec beaucoup d'exploitation et seulement un tout petit peu d'exploration. Les phrases, là, oui, je vois, c'est où ? We must do only exploration, we must do only exploitation. Donc, on peut considérer qu'il y a une fin d'apprentissage si on arrive à un epsilon zéro. Alors, troisième branche, le temporal différence. Alors en fait, il s'agit de distinguer déjà deux méthodologies, deux stratégies, quoi, deux méthodes dites Monte Carlo ou temporal différence. Alors Monte Carlo, comme son nom l'indique, donc les casinos Monte Carlo, c'est dans le monde, dans les environnements type jeu où on a où en fait on a une fin de partie, et surtout qu'en général la récompense on la reçoit en fin de partie, on gagne ou on perd. Et donc à ce moment-là, effectivement, dans la stratégie Monte Carlo, on va donc exploiter en fait une stratégie sur toute la durée jusqu'à la fin de la partie. Donc au début, on comprend qu'elle est aléatoire et puis petit à petit, elle s'apprend. Et donc en fait, on va récolter toutes les récompenses accumulées pendant toute la trajectoire. On applique notre discount rate, le gamma, décrémenté là, avec un exposant. G, c'est la trajectoire de récompense jusqu'à la fin. On note comme ça, donc et somme des récompenses gamma, et on prend V. C'est-à-dire on retrouve notre learning rate là, pour notre apprentissage. Donc en fonction de l'état précédent, on rajoute la différence entre la valeur V prédite et la valeur G mesurée, récupérée. Là où le temporal différence, ça va être... étape par étape. Donc, on va prendre juste la récompense acquise à cet état-là, à cette action. On lui ajoute la valeur prédite pour l'action suivante, moins la fonction V, pardon, pour l'action présente. Donc, on a un rapport, on a une mise à jour itération par itération. Donc, temporal différence, TD target et Monte Carlo. C'est tout bon. Alors, on va faire distinction entre les deux méthodes. Donc Monte Carlo, ça marche seulement pour des environnements épisodiques avec une fin de partie. Alors que le TD, ça marche pour les environnements séquentiels.
On va être donc pour le Monte Carlo, on va être sur de l'apprentissage moins biaisé, quoi, donc plus précis. Par contre, c'est plus difficile à converger. Là où le time difference, le TD, va plus vite et c'est plus facile à converger. En d'autres termes, effectivement, pardon, la méthode Monte Carlo, à la fin, sera précise, aura un biais quasi nul. Par contre, une variance pendant l'apprentissage assez importante, là où le time difference aura une variance faible, mais à la fin sera potentiellement un peu biaisé. Donc il y a un ratio, une balance à faire entre biais et variance, donc illustré sur le schéma de droite. On peut noter que donc l'aléa alpha, c'est les learning rates. Pour le Monte Carlo, on a des learning rates plus petits que pour le TD. TD, effectivement, donc par contre, ça va plus vite. On voit clairement, ça va plus vite. Après, il y a les stratégies intermédiaires, en fait, donc on va appeler bootstrapping ou TDN. Donc N, il faut comprendre avec N étapes. Donc là, on voit donc tout à gauche, on est sur le TD classique ou dit TD0. Après, on a le TD2, TD3, TDN, donc à deux étapes. C'est les trajectoires de récompense. On va chercher les récompenses à une étape, deux étapes, trois étapes, N étapes. Et jusqu'à la fin de la partie, c'était notre Monte Carlo. On peut le voir, oui, on peut imaginer effectivement aux échecs, on comprend que essayer de prévoir jusqu'à la fin de la partie, c'est complexe. Prévoir à un coup, c'est mieux de prévoir à plusieurs coups en avance. Donc là, sur la représentation de droite, on voit pour un cas particulier, alors ça change bien sûr en fonction de chaque cas. Donc en abscisse, on a le learning rate et les courbes, donc les N, c'est les TDN avec N étapes. Donc là, on voit que c'est le N égale 4 qui descend le plus bas, donc en termes d'erreur, pour un learning rate un petit peu en dessous de 0,4. Voilà, donc dans ce cas-ci, c'est prévoir à quatre coups qui est le plus intéressant. Alors ensuite, là maintenant, on arrive, on a fait les trois branches et on va merger sur les algos de reinforcement learning classique tabulaire. Donc on a le premier en fait SARSA. Alors SARSA, le nom vient de donc ce qui est illustré à droite. On choisit donc on doit calculer en fait. Donc là on est sur du TD0 hein, pour une étape. On calcule donc on connaît l'état. Pour une action donnée, on a une récompense. On arrive à l'état suivant, S', et on doit donc déterminer A', l'action suivante donc là on est sur les fonctions Q. Donc on a besoin de là en fait la fonction Q de l'état suivant. Donc la fonction Q c'est S et A. Donc on a besoin de S' et A' pour avoir la fonction Q suivante. Donc si on refait l'algo, au début on initialise la Qtable. Donc on a une table avec des poids donc aléatoires. On choisit une action avec notre stratégie, la fameuse Epsilon Greedy. Donc on choisit une action de façon complètement aléatoire, soit on est en mode greedy, on prend l'action qui maximise la fonction Q, pour le coup, là, cette fois-ci. On bascule dans la fonction Q, on est plus dans la fonction V. Donc on entreprend l'action, on mesure la récompense et on fait un update de la table Q. Donc le Q de SA,
devient l'ancien Q2SA plus le learning rate fois la récompense obtenue plus le discount rate fois la fonction Q de S privé à prime, l'état suivant et l'état prime, moins Q de SA. Pour choisir, par contre, ce qui était important, pardon, pour choisir A' et S', on utilise notre stratégie epsilon greedy. Donc, ce que j'ai noté au-dessus, là, dans cet algo, on utilise deux fois epsilon degree. Première fois, à choose an action A et à update Q. Donc, ça, c'est SARSA. Et SARSA, on en reparle après, mais ce qui est intéressant de noter, c'est une stratégie dite on policy. Là où Q-learning est une stratégie dite off-policy, où c'est quasiment la même chose, sauf que donc pour l'étape initialisation cultage, choose an action A avec epsilon greedy, on agit, on mesure la récompense, et là, cette fois-ci, on update Q, on met à jour Q en... avec le maximum de Q de maxi, quoi, l'action maxime qui maximise la fonction Q S'. Vous voyez le truc, donc du coup, on n'utilise qu'une seule fois epsilon greedy, là où SARSA utilisait deux fois epsilon greedy. Et en fait, donc off policy, donc il y a une espèce de. Intuition de réflexion où on maximise la fonction. Donc, le on policy, on est en temps réel. L'agent, effectivement, choisit une action en fonction de sa stratégie de choix d'action. Une fois, deux fois, là où en off policy, lorsqu'on agit en fonction de sa stratégie d'action. Par contre, quand on met à jour Q, c'est plutôt par rapport à l'expérience, on est dans l'introspection. On va revoir ça ensuite. Et ça se traduit par, sur cet exemple de marche au bord d'une falaise en mode déterministique, donc on sait où on va, on ne glisse pas, etc. Et environnement statique, ça n'évolue pas dans le temps. Mais ça sera donc le petit modèle de la marche au bord d'une falaise, effectivement, c'est chaque fois qu'on se déplace d'une case, ça nous coûte moins 1. Par contre, si on tombe dans le fossé, on perd moins 100. Au début de l'apprentissage, donc lorsque l'on a une exploration importante, c'est à peu près ça qui se passe, c'est que le Q-learning, donc plus souvent, et en fait, on trouve un chemin optimal pour le Q-learning, là où en SARSA on policy, il va arriver à un chemin plus sûr, il va faire le tour. Pourquoi? Parce que en fait, c'est cette notion, effectivement, en SARSA, on utilise deux fois epsilon greedy. Et en Q-learning, on utilise une fois epsilon greedy. Donc, epsilon greedy, en fait, ça maximise la chance de tomber dans la falaise, d'essayer une stratégie qui fait tomber dans le fossé. Grosso modo, SARSA, qui ne réfléchit pas trop et qui essaye. Il a deux fois plus de chances de tomber dans la falaise. Donc, in fine, effectivement, il pense que le chemin optimal est le chemin le plus sûr, alors que Q-learning a moins de chances de tomber dans le trou. Donc, il se permet effectivement de suivre la ligne de crête. Je suis clair? Oui. Alors, petit résumé, on finit cette partie sur le reinforcement learning tabulaire. Donc, ce qu'il faut garder en tête pour la suite, ce sont les équations de Bellman avec les fonctions V, fonction d'état, et les fonctions Q, fonction donc état-action, et cette notion de discount rate, donc de récompense qui se dilue dans le temps.
Ensuite, effectivement, ces modes temporal différence, TDN et Monte Carlo, donc temporal différence ou TD0, on prévoit un coût. TDN, on prévoit N coûts et Monte Carlo jusqu'à la fin de la partie. Oui. Et puis Monte Carlo, haute variance, mais à la fin, biais nul. Là où temporal différence, c'est en faible variance, mais à la fin, on a du biais. Et ce concept, effectivement, de on policy, off policy, quoi, de méthode d'algo on policy ou off policy, où, donc là, ce que j'ai représenté, effectivement, on policy, bon, il est... Il n'a pas tellement réfléchi, il a appliqué, il a essayé, mais il s'en retrouve le pauvre traumatisé. Là où off policy est un peu plus réfléchi et puis un peu plus zen sur son apprentissage. Et ensuite, on va passer du reinforcement learning classique tabulaire au Deep Reinforcement Learning. S'il y a des questions. Alors, pas énormément de questions, mais des échanges sur... il y avait des questions, enfin, questions, remarques, enfin, des questions qui ouvrent des remarques de Guillaume et d'Abdelkader concernant les algorithmes génétiques. Il y a eu quelques échanges autour de ça. Algorithmes génétiques ou darwiniens, je dirais, parce que... Ouais. On peut voir ça comme on veut, mais enfin, c'est, voilà, ce sont des familles d'algorithmes d'apprentissage machine, voilà, mais qui se font sans descente de gradient et qui sont, donc là, c'est pour revenir sur ce que tu disais et ce qu'avait reprécisé Nathan, je crois, très efficaces sur des problématiques simples, mais sur des problématiques complexes, atteignent assez rapidement leurs limites, quoi. Voilà. Mais bon, c'est esthétiquement, c'est très esthétique et il y a plusieurs manières de le faire en jouant sur en faisant évoluer les poids, par exemple, des réseaux de neurones, mais on, voilà, toujours sans descente de gradient, quoi. Oui. Il y avait une question sur l'utilisation, alors discussion, échange, hein, sur l'utilisation de l'apprentissage par renforcement pour la prédiction de séquences, auxquelles Nathan et Léo ont répondu. Que le, à juste titre, encore une fois, que l'apprentissage par renforcement pouvait être intéressant, mais en dernier ressort, quand par exemple on n'a pas de données, hein, si on n'a effectivement pas de données de séquence, on ne peut pas faire un apprentissage classique, mais qu'en général, l'apprentissage traditionnel, alors à base de LSTM, de Transformers ou de ces animaux-là, était bien plus efficace sur ce type de problématiques. Voilà. Puis qu'il y avait une difficulté qui pouvait émerger aussi, c'est que c'est pas toujours facile. Alors ça, c'était sur une question, je ne sais plus de qui, mais sur essayer d'utiliser dans l'apprentissage par renforcement pour sauter des étapes de calcul dans des séquences de calcul, mais que là, justement, une des difficultés, ça pouvait être aussi de prédire la récompense. Si on n'est pas capable de prédire une récompense, on ne peut pas faire d'apprentissage par renforcement. Oui. Ouais, je sais pas si quelqu'un veut... une question là qui vient d'arriver tout de suite, c'est faut-il privilégier le Q-learning ou pas ? Bonne question, ça doit dépendre des environnements, mais effectivement, j'ai l'impression que le Q-learning est plutôt à la mode. En tout cas, dans l'exemple montré, c'était oui, le Q-learning. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est le Q-learning. Alors, sachant qu'on n'a pas tout vu, il y a plein d'autres aspects dans le reinforcement learning tabulaire. Il y a le distributional Q-learning, le DINAQ, bon, pour ceux qui connaissent, mais bon, donc il y a plein d'évolutions. Et après, effectivement, on a vu que des algos en TD0. Donc, il y a les versions en TDN. Donc, je crois qu'il y a SARSA. Alors, ce n'est pas N, mais c'est SARSA, je ne sais plus quelle est la grecque, mais il y a la version Q-learning aussi. Voilà. Grosso modo, oui, certainement, le Q-learning marche de façon plus optimale dans ces environnements-là. Mais en fait, à garder pour le Deep Reinforcement Learning, ce qu'on va voir plus tard, donc il y a les stratégies off-policy et on-policy. Et là, ce n'est pas forcément très clair entre la off-policy et la on-policy, ce qui est le meilleur, ça dépend.
Mais il y a une petite tendance à considérer que c'est le own policy qui serait le meilleur pour le deep reinforcement learning. On va voir ça ensuite. Oui, il y a eu des échanges aussi sur ces notions de on-off et puis de contexte discret ou continu aussi. Et ça, je pense qu'on reviendra dessus. Oui, ça va être dans la suite, oui. Bon, peut-être je vais avancer alors. Donc là, c'est la petite partie de transition entre renforcement tabulaire et deep reinforcement learning. Alors, l'idée, c'est effectivement de... Donc là, sur nos tables, l'histoire de nos tables Q, donc dans le Q-learning, on peut voir ça comme une fonction non linéaire, parce qu'il y a le max, voilà. Et qui dit fonction linéaire, ça fait est-ce que ça serait pas est-ce que ça serait pas intéressant d'utiliser un des réseaux de neurones pour faire une fonction non linéaire? Donc oui, donc plutôt que de faire une table Q où en entrée, donc table Q où prenons, disons, que les lignes, c'est les états et les colonnes, les actions, où on a une valeur, donc on a une valeur Q qu'on mettra à jour en fonction de l'algorithme qu'on a vu, effectivement. Une valeur dans chaque case, je veux dire, et puis on mettra à jour. Et ben, là, on peut faire un réseau de neurones où en entrée, on a l'état. Et en ce d'ailleurs, donc une fonction d'approximation qui nous donne en sortie, effectivement, pour chaque action, la valeur de Q de cet état. En termes, justement, là, des environnements, donc des caractéristiques d'environnement, ce qui est résolu avec le tabulaire, c'est la notion partiellement observable. C'est bon avec cette histoire d'apprentissage en donc étape par étape, en TD ou en Monte Carlo. Il peut circuler on peut apprendre effectivement et avec l'exploration. Tout ce qui était déterministe et stochastique, bon, ça, on a eu que dès l'optimal contrôle, dès le début, c'était résolu. Le statique dynamique, c'est pareil avec l'apprentissage essai-erreur quoi, et TD, effectivement, avec ce jeu d'apprentissage. Même si l'environnement change, il est capable de prendre en compte le changement de l'environnement et puis avec ces histoires effectivement de discontraint aussi. L'épisodique séquentiel, on a vu Monte Carlo, c'était seulement épisodique, mais tout ce qui était TD, ça marchait pour du séquentiel. Par contre, effectivement, les environnements discrets ou continus, donc il faut penser plutôt, oui, les actions, le contrôle, est-ce qu'on est sur du discret ou du continu, j'entends par discret des segments de la discrétisation, ou surtout si on pense aux jeux vidéo, ce qui revient assez souvent, c'est les manettes pad là, donc on a un bouton haut, bas, gauche, droite, bouton A, bouton B, donc là on est sur l'action du contrôle discret. Continu, c'est les joysticks. Et continue, oui, sur les joysticks, mais surtout là on peut penser à la robotique, aux articulations de robots, aux voitures autonomes, donc aux vitesses et aux accélérations des voitures autonomes. Donc on est dans le monde continu. Et mono-agent et multi-agent, donc ça on n'a pas résolu actuellement. On est qu'en mode mono-agent. J'ai un peu oublié de remettre cette diapo à la fin, mais pour la suite, effectivement, on va voir les premiers réseaux qui sont les DQN, qui est une adaptation du Q-learning en réseau de neurones. Bah ça, on reste toujours dans des environnements, on est bloqué toujours dans le discret, dans le mono-agent. Et ça sera la dernière partie sur tout ce qui est policy gradient, où on va pouvoir résoudre la problématique continue et multi-agent. Alors... l'apport effectivement des réseaux de neurones. Donc les représentations tabulaires sont limitées, mais bon, parce qu'on a une table état par état. Voilà. Mais effectivement, avec les réseaux de neurones, avec le deep learning, on est capable de traiter des données haute dimension, images, texte, graphes, tout ce qu'on a vu dans Fiddle auparavant.
Alors qu'effectivement, représenter une image, représenter un texte, représenter un graphe en table, c'est mission impossible. Et autre bénéfice de la fonction d'approximation fournie par les réseaux de neurones, c'est si on réfléchit effectivement dans notre table, dans notre tabulaire, dans notre table Q, lorsqu'on fait la mise à jour donc d'un Q en fonction d'un état et d'une action, mais on modifie seulement cette valeur-ci, alors que dans notre réseau de neurones, dans notre fonction d'approximation, chaque mise à jour, quel que soit l'état d'entrée, va avoir un impact sur tous les autres états, en fait. Donc, on va avoir, c'est ce qui va permettre effectivement un apprentissage dans une dimension bien plus importante. On vient des états, notions d'état voisin, etc. Et voilà, et on va commencer par notre premier réseau de neurones, donc Deep Reinforcement Learning, donc le fameux DQL, celui qui était dans le papier de 2013 sur les jeux Atari de DeepMind. Donc là, on est sur, comme son nom l'indique, en fait, là, c'est vraiment une adaptation de l'algorithme Q-Learning qu'on applique en réseau de neurones. Donc il s'agit effectivement d'un algorithme off-policy. Et donc, on va voir en fait donc le réseau DQN et toutes ses évolutions. Alors, encore une fois, effectivement, DQN, donc Deep Q Network ou Deep Q Neural Network. Donc là, je vous ai mis le lien du papier de 2013 donc sur le Deep Reinforcement Learning qui joue au jeu Atari. Donc typiquement, effectivement, on a un jeu alors qu'on considère, qu'on peut considérer en image. En fait, en entrée, on a les images du jeu et le score du jeu. Ce qui est pratique avec un jeu vidéo, c'est pour ça que ça a bien marché, c'est qu'on a un simulateur déjà tout fait avec un environnement déjà donc simplifié. Donc on prend les images du jeu vidéo qu'on traite avec un réseau convolutif. À la fin, vraiment réseau simple, où à la fin, on a une dernière couche full connected pour chaque action possible. Donc, on a une dimension qui correspond au nombre d'actions possibles. On va voir ensuite la fonction de perte à mettre en place. Mais on obtient des valeurs Q pour chaque action. Donc après, ce sera facile de déterminer, toujours avec cette notion de epsilon greedy, donc exploration, exploitation. Mais pour l'exploitation, on prendra la valeur maximale des sorties, ce qui nous permettra de déterminer l'action à entreprendre. Donc, c'est un jeu vidéo, gauche, droite, en haut, en bas. Alors là, c'est la même chose. À noter effectivement qu'en entrée, là, donc on est sur du réseau complètement convolutif et sur un jeu vidéo qui bouge quand même. Mais comme les images sont très simples, en fait, on n'a pas besoin d'utiliser de RNN, LSTM ou tout ce genre de choses à ce niveau-là de jeu vidéo très, très simple type Atari. On prend juste quatre images les unes à la suite des autres et ça sera notre entrée d'état. Donc du coup, on aura l'information de tel objet par à gauche, à droite, etc. On rentre ça dans des réseaux convolutifs plutôt simples, trois couches. Quoi, c'est ce qui suffit pour des jeux type Atari très simples en termes d'imagerie. Donc à la fin, effectivement, on passe par un layer full convolutional avec sept sorties parce que dans cet environnement, il y a seulement sept actions possibles. Alors voilà une représentation de l'algo du DQN. Alors on est assez proche effectivement du Q-learning, si vous l'avez en tête, mais si on repasse les étapes,
Il s'agit de, bon, au début d'initialiser tout le réseau. Donc on initialise les réseaux de neurones Q, donc c'est le réseau de neurones classique, et le target network, on verra ensuite de quoi il s'agit. Donc en gros, il y a deux réseaux de neurones, le Q et le target. On initialise l'expérience replay memory, on verra aussi ensuite de quoi il s'agit. On initialise donc l'agent qui est, donc, et l'environnement. Donc, de la même manière, on choisit une action, on est en policy epsilon greedy, comme en Q-learning. On performe l'action, on mesure la récompense. Et donc, les transitions, état, action, récompense, état suivant, et les mots done, c'est est-ce qu'on a fini ou pas la partie pour le jeu vidéo, sont chargés dans des replay buffers, donc dans des queues d'expérience. On mémorise toutes nos expériences et on update le réseau Q de la manière suivante, où notre fonction loss, tout simplement, c'est un MS, quoi, le carré du Q actuel moins effectivement la récompense avec le calcul de la récompense avec les discount rates, etc. Et puis on update Q donc en deep learning classique, hein, là c'est notre fonction de loss qu'on cherche à minimiser avec un algorithme gradé en descente, etc. Donc un optimiseur, je veux dire un SGD ou un DAM ou tout ce que vous voulez. Donc sur la représentation, on revoit le truc, l'environnement, on a les états des actions, on enregistre tout ça dans le replay buffer, on fait nos techniques là de mini batch, on fait classique deep learning et tout ça, ça marche avec la stratégie d'exploration, donc epsilon greedy. Alors sur cette notion de replay buffer, donc d'accumulation d'expérience, donc ça c'est effectivement la version, donc c'est dans le papier de 2013 sur les DQN, donc c'est la version initiale, ou dans l'expérience buffer, donc un buffer, hein, c'est une queue avec une taille précise, où lorsqu'on a rempli la taille du buffer, on efface les anciennes entrées, voilà. Il reste donc un certain nombre d'entrées minimum. Pour la création du mini-batch, effectivement, c'est un random sampling. Donc, aléatoirement, on va sampler ces expériences. Donc, dans ce buffer-là, on prend notre mini-batch, on le crée avec les expériences de façon aléatoire. On shuffle et puis on récupère. Alors, si on réfléchit à une espèce d'analogie, effectivement, ça permet effectivement de travailler à partir d'expériences, un certain nombre d'expériences passées. Donc c'est tout notre mécanisme effectivement d'introspection, d'observation, introspection, de mise en place de concepts. En bas, là, c'est les photos du chimpanzé de Köhler. Donc ça, c'était un chimpanzé, donc des études sur les animaux pour montrer qu'effectivement qu'un chimpanzé, pour récupérer une banane dans le ciel, là on ne la voit pas, mais était capable, à partir d'expériences passées, donc le fait de trouver un bâton, d'observer ce qu'on pouvait faire avec un bâton, et le fait de pouvoir grimper sur des caisses, effectivement, de cette réflexion introspective, il a pu comprendre par lui-même qu'il pouvait mettre des caisses les unes sur les autres et avec le bâton récupérer la banane qu'il voulait récupérer. Hop. Évolution de ces expériences replay buffer qui sont arrivées donc un peu après 2013, je crois, vers 2015, un peu comme ça.
C'est donc les buffers d'expérience dits priorisés. Donc là où dans le buffer, on lui associe un poids, quoi, une priorité. Alors cette priorité, effectivement, est dépendant du TD error, de cette error entre la valeur prédite de Q et la valeur calculée de Q en fonction de la récompense. Donc il y a deux techniques, soit directement on prend cette erreur pour prioriser en priorité les plus larges erreurs, ou soit ce qui est plutôt fait, c'est avec un rank, on les range avec des entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc l'ordre, le rang le 1 étant les TD erreurs les plus importantes. Et donc on obtient après effectivement un P de I. De l'autre côté, l'importance sampling, c'est pour contrebalancer le fait. Donc le P de I, ça va être la probabilité de choisir cette expérience pour notre mini batch. Donc c'est un choix, choix pondéré par P de I. Et l'importance sampling, ça va correspondre à une espèce de learning rate adaptatif. Ça veut dire que ce qui est en gros les exemples avec une probabilité plus faible vont avoir une importance, un importance sampling plus important, donc un learning rate plus important. Prendre en considération, il y a les deux cas, quoi. Bon, c'est pour régler un biais. Donc tout ça, effectivement, c'est un chemin de priorisation des exemples en fonction de ce que ça apporte comme information par rapport à l'état actuel du réseau de neurones. Et en gros, les cas surprenants sont prioritaires, mais les cas normaux, qui sont moins prioritaires, on fait gonfler un peu leur importance en termes de learning rate pour prendre en compte quand même qu'on ne soit pas que dans des cas de outlier, de aberrant. Alors ensuite, rapidement, cette histoire de target network. Il est 24. Okay. Il faut Cette histoire de target network et de online network. Donc online network, c'est notre réseau Q normal, et le target network, c'est un réseau donc à côté qui va être copié, qui va être une copie du Q network, mais avec un décalage dans ton quoi. Tous les N, les 16 étapes, effectivement, le target network devient prend en copie le Q-Network. Et dans notre calcul de loss, en fait, un coût, donc comme référence de mise à jour, effectivement, on prend le Q-Network, donc là, ce qui représente ces cadres rouges. Par contre, pour le Q-prime, donc la valeur Q de... L'état suivant et de l'action suivante, on va prendre ce target network. À quoi ça sert? Là, c'est ce qui est représenté par l'AN. Donc là, c'est une analogie qui vient de la littérature des target networks. On imagine un AN avec une tige et une carotte accrochée à une cordelette pour faire. L'idée, c'est effectivement de faire avancer l'AN dans une direction, simplement, sans se casser la tête. Sauf que la corde étant souple, lorsque l'âne va avancer, la carotte va commencer à osciller, et cette oscillation va faire que l'âne ne va pas du tout avancer. Il va essayer d'attraper la carotte en avançant, en reculant. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est que si on avait un seul réseau, on aurait quelque chose de très changeant, de très variant, et on arriverait à une divergence là. De fixer donc un target network et un Q-network, c'est comme si au niveau de l'âne, la cordelette était plutôt une tige rigide qui évitait effectivement cette oscillation, et donc l'âne, ça marcherait pour le coup, l'âne avancerait.
Donc maintenant, le double DQN, alors c'est ce qu'on a vu avant, c'était la version du DQN Legacy, là, du papier de 2013. Et le double DQN, c'est une évolution qui marche mieux pour le coup. Donc, on a toujours notre target network et notre queue network. Là, je vous ai remis ce qu'il y avait dans, dans la version DQN classique. Et en double DQN, en fait, c'est quasiment pareil, sauf que le A' ici n'est pas calculé en fonction de... le max, pardon, c'est le max ici ne prend pas... le A' choisi n'est pas le max du réseau target, mais devient le maximum du réseau du Q-Network. Et seconde optimisation, c'est qu'on n'est plus sur une mise à jour du target network tous les 16 tapes, mais avec une espèce de mise à jour glissante, voilà, avec une valeur taux. Donc à chaque itération, petit à petit, il se rapproche, mais de façon incrémentée. En termes de, si on reprend notre analogie de LAN, du coup, on est sur une cordelette qui n'est plus une tige complètement rigide, mais qui est un peu souple, mais moins souple que la cordelette qui posait problème. Donc, on est sur une petite oscillation, voilà. Mais donc, c'est une espèce de d'arbitrage entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ensuite, le dueling DDQN. Donc, DDQN, on reprend l'idée du double DDQN. Donc, on rajoute cette notion de dueling. En fait, la fonction Q, on va la diviser en deux parties. On va la diviser en la partie, la fonction V. Et la différence entre la fonction V, ça va être la fonction dit avantage, qui va donner en fait l'avantage de chaque, pour une action donnée, de chaque action, mais indépendant de la valeur globale de l'état. Donc le dueling, donc en bout de réseau, donc avant on a toujours notre CNN, on va distinguer ce qui est V et ce qui est A. La partie A, on va la normaliser, on va la centrer sur 0, écart type 1, et on va réagglomérer pour obtenir une fonction Q et ça, une fonction Q optimisée. Et cela, c'est effectivement, on voit que ça marche mieux sur pas mal d'environnements. Et ce qui a été montré dans le papier correspondant de ligne DDQN, c'est sur un jeu, donc toujours type Atari, espèce de jeu de voiture. Bon, on voit que côté V, en fait, il va s'intéresser à des objectifs distants. Donc là, le bout de la route, donc est-ce qu'il est la direction, les virages, etc. Là où la partie A va s'occuper de problématiques proches, effectivement. Donc les petits véhicules à éviter. Donc concentré sur voilà. Donc en V, c'est une vision lointaine à long terme, et A, c'est une vision à court terme. Bertrand, je t'invite à aller plus vite sur les prochaines slides pour être dans les temps, notamment pour le TP. D'accord. Merci. On reparlera de l'avantage plus tard dans le policy gradient aussi. Le Rainbow DQN, l'idée c'est de voir ces évolutions. Donc là, vous avez sur le graphe effectivement le A3C, c'est du policy gradient, on le verra ensuite. Mais bon, DQN, la version originale, en marron ici, on a le Noisy DQN, en violet, on a le DDQN, donc ce qu'on avait vu, le double DQN, et après, on retrouve notre dueling DDQN. En bleu clair, elle est prioritized DDQN, donc c'est avec le buffer priorisé. Et en jaune, le distributional DQN, on va le voir rapidement juste après. Et là, cette notion de rainbow, c'est on agrège toutes ces évolutions, et effectivement, en agrégé, ça nous donne quelque chose de très intéressant. Donc il faut agréger. Alors, l'abscisse, effectivement, c'est
Donc sur 57 jeux atterris, la médiane, donc humain normalisé, non mais 100%, c'est on fait comme les humains, et au-delà de 100%, on est meilleur que les humains. Alors, Noisy DQN, c'est juste rajouter du bruit sur les poids du réseau D, ce qui permet d'explorer de façon optimisée. Et le Distribution DQN, il s'agit plutôt que de traquer, donc on est dans un environnement dynamique, et plutôt que de traquer une valeur Q attendue, on va traquer une distribution de valeurs donc dans le temps, et ce qui permet, alors c'est ce que j'ai mis ici, donc on a notre, au lieu de parler de valeur Q, on parlera de valeur Z, et la récompense obtenue permettre, donc l'égalité, là c'est une égalité en distribution, donc là on parlera après dans les papiers, il faut aller voir, effectivement on est sur ces métriques Wasserstein, hein, donc je vous renvoie vers les courbes de variational autoencoder pour mesurer les différences entre distributions, donc on est sur la distribution du distributif, et ce qui permet, si on reprend cet exemple de marcheur au bord d'une falaise, mais dans un environnement, cette fois-ci, stochastique, potentiellement on peut glisser sur la rambarde où on marche pas très droit et dynamique, il y a des événements type éboulis, avalanche, de traquer cette distribution entière, ça nous permet non seulement d'évaluer effectivement la récompense obtenue, mais aussi le risque pour l'atteindre. Donc on peut faire, donc voilà, donc ce que ça apporte, c'est cette notion de risque en plus. On peut gagner, mais on peut perdre aussi beaucoup. Donc en fonction de ça, on va choisir un chemin qui sera le chemin optimal. Ça ne sera plus de marcher au bord de la falaise, mais peut-être un peu plus loin. La limite des DQN, c'est donc contrôle discret. On l'a vu, donc typiquement le jeu vidéo gauche droite, bouton A, bouton B, puisqu'on prend la valeur max d'un Q, on peut pas faire autrement. Et on verra ensuite. Par contre, on ne peut pas traiter tout ce qui est contrôle continu. Donc là, tout ce qui est robotique, donc articulation de robots, etc., qui ont des vitesses, des positions angulaires, des vitesses angulaires, etc. À activer. Hop, et là, je pars sur le TP. Alors, le DQN, donc que j'exécute sur Collab. Donc, TP réalisé par nous-mêmes. En fait, c'est le DQN version classique, papier 2013, codé en PyTorch. From scratch, appliqué au environnement CarPol, donc on verra ensuite là qui est la voiture avec un pendule dessus, et une voiture qui circule sur un seul axe, et le pendule qui doit pas tomber, quoi. Donc juste j'exécute les premières cellules d'installation, les importations des différentes librairies. Ensuite, je vais exécuter toutes les cellules et je vais reprendre le code avec vous. Alors, ce qu'il faut voir, c'est à partir de là, c'est intéressant. Donc, on fixe effectivement
Donc, pour entraîner notre réseau de neurones, notre learning rate habituel, la taille du buffer, donc là, on parle du buffer d'expérience replay. Donc là, on choisit effectivement une taille, ce n'est pas très important, mais on choisit une taille assez large finalement pour stocker toutes nos expériences pendant tout l'apprentissage qu'on a déterminé. On fixe effectivement un warm-up step, donc un point effectivement d'échauffement, donc c'est-à-dire pendant les 10 000 premières itérations, le modèle n'apprend pas. En fait, il accumule dans sa memory et son replay buffer d'expérience. Le batch size, le gamma, c'est notre discount rate, donc à noter 0,99. On n'est plus en... On n'est plus à l'état des jours, donc là, oui, souvent, on retrouve ce genre de valeur pour le discount rate. Il y a cet intervalle de... il y a cet intervalle, effectivement, de target... Donc, le target update intervalle, c'était entre le réseau target et le réseau Q-learning, c'était le nombre d'étapes avant la synchronisation entre la copie du Q-learning vers le réseau target. Et là, c'était donc ce qui suit, c'est notre stratégie epsilon greedy. On commence avec un epsilon de 1 et on finit avec un epsilon de 0,05. Donc, effectivement, au début, il explore totalement et à la fin de l'apprentissage, on explore plus qu'à 5%. Au niveau du device, effectivement, là, on utilise seulement le CPU et on pourrait l'utiliser en GPU. On utilise le CPU parce qu'on va voir que le modèle est très petit, donc ça ne sert à rien d'utiliser le GPU dans ce cas-ci. Donc, je continue le réseau DQN. C'est seulement 3 couches parce que en entrée, oui, on fait le choix, là, on ne prend pas l'environnement avec les images d'entrée, sinon ça serait trop long pour cet exemple à entraîner. Donc là, en fait, on a la version simple environnement, on a seulement 4 scalaires qui sont la position de la voiture, la vitesse de la voiture, l'angle du pendule et la vitesse angulaire du pendule. On voit ensuite on a notre donc là c'est le buffer effectivement avec ses ajouts de transition, donc c'est une liste, on open, on pop, la synchronisation du réseau donc network et du Q-learning et alors la fonction loss, oui, alors c'est l'expected, c'est l'output et l'expected output. Bon, on retrouve effectivement notre fonction loss là-dedans et voilà. Hop, ah ben tiens, donc on a réalisé quasiment, oui, on a réalisé l'apprentissage, les 120, donc 100, on a fait 120 000 itérations, on obtient cette courbe de récompense, on voit que ça varie, on voit qu'effectivement vers les, donc en fin d'apprentissage, vers le 3000e épisode, on augmente largement en termes de récompense, ce qui nous donne cette vidéo un peu rigolote là. Alors la vidéo est plus fluide sur mon écran, hein. Si vous le faites vous-même aussi, ça sera plus fluide. Là, c'est le rafraîchissement de zoom qui est un peu limité, mais bon, si je vous le remets, effectivement, ça nous fait au début il oscille et il arrive à équilibrer son truc, puis à la fin, effectivement, il part sur le côté. Mais pas mal, je crois. Est-ce qu'il y a des questions?
Oui, ce notebook, on peut le retrouver où? Ah, il est dans Fiddle, là, et il est sur le dépôt. Il y a Oui, deux notebooks. Oui, pardon. Oui, c'est déposé dans le oui. GitLab. Et c'est la version 2.0.35. 2.0.35, et c'est dans le dossier DRL, hein, je crois. Voilà. Il y a deux notebooks. Voilà, sachant que c'est des notebooks qui, au moins un qui est collab, et donc qui ne pourra marcher que sur collab. Ça ne marchera pas dans votre environnement local comme ça. Alors maintenant, on va passer à l'autre famille du Deep Reinforcement Learning, les policy gradients. On va voir, il y a deux sous-familles, effectivement, les policy gradients on policy et les off policy. Alors là, je voulais vous relancer un petit sondage encore, donc accrochez-vous bien. Effectivement, c'est sur cette, donc pour faire de la distinction entre réfléchir à ce que apporte le off policy par rapport au on policy. Donc c'était la. Donc ça vient de Marvin Minsky, le fameux qu'on avait vu au début, donc dans un de ses livres, qui nous parle de K-line, donc en fait de knowledge line. Il faut imaginer que lorsque on a une espèce d'expérience mémorable, un peu traumatisante, ou ouais bon, avec la vie de tous les jours, ensuite lorsqu'on va recevoir une histoire, ou peut-être lorsqu'on rencontre quelqu'un dans la rue, on ne réfléchit pas, on n'évalue pas à partir des. Mais on a une espèce de ligne qui se. Donc, notre cerveau est câblé d'une façon un peu instantanée, effectivement. On a un contexte mental qui arrive linéairement, quoi, sans étape d'évaluation. Donc ça, cette calane que je voulais associer au online, et ma question alors dans le sondage, c'était donc toujours dans votre vie personnelle, lorsque vous marchez, parlez, travaillez ou jouez aux échecs, est-ce que vous êtes plutôt sur une stratégie off-policy, d'introspection, où vous évaluez la situation avec un expérience replay buffer, donc avec une réminiscence de vos expériences passées, ou est-ce que vous êtes en mode plutôt K-line, direct, en acteur, donc en agissant, donc en mode on policy, voilà, comme vous. Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi ou d'intuitif? Traduire ça sous la forme d'instinct et instinct versus expérience. Oui, instinct versus expérience, mais instinct, oui, donc mais instinct c'est quelque chose de, donc ça serait, oui. À la condition que l'instinct serait quelque chose de câblé et que ça serait. Quoi, c'est pas une notion d'inné, mais c'est quelque chose qui a été fabriqué dans le cerveau, mais donc directement. Donc un contexte, on va un voir réflexe si, reptilien, les gens, alors. Si les gens ont compris la question. Tu peux sélectionner en haut. Hein? Là, tu sélectionnes au-dessus. Oui. Merci. Hop, je vous lance le. Ça y est. Donc, vous pouvez répondre deux fois. Vous pouvez utiliser les deux méthodes pour certains. Voilà, ok, les gens ont compris. Donc, quand utilisez-vous dans les méthodes off-policy, introspective, d'évaluation, de réflexion, et quand utilisez-vous les méthodes instinctives, directes, grâce à des guidelines mentales, on-policy pour le coup. Off policy et on policy. C'est. Les résultats sont intrigants. Enfin, intrigants. C'est intéressant. Voilà.
Je crois qu'il y a une mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais on peut voir que c'est les deux réponses sont symétriques. Ok, oui. Bon, grosso modo, allez. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions pour le moment. Allez, on est sans réponse. Oui, allez. Je vous partage les résultats, mais bon. Alors, grosso modo, oui, un peu logiquement, effectivement, pour marcher, on est plutôt. On ne réfléchit pas quand on marche. Quoique, en même temps, ah oui, si on pourrait faire un peu de. Dans le zen, effectivement, il y a le zen, la méditation zen assise, la méditation debout, la méditation en marchant. Donc, on pourrait méditer et ramener ça à quelque chose de off-policy. Mais bon, a priori, lorsqu'on marche, on ne réfléchit pas. Donc, on est plutôt en on-policy. Après, pour parler, effectivement, ça dépend des cas. C'est une discussion stratégique, on va plutôt être sur du off-policy. Si on fait, je sais pas, si on fait des blagues, ça nous vient plutôt en on-policy, je crois. Pour travailler, ça dépend complètement effectivement du travail qu'on fait, mais je pense qu'effectivement, nous en tant qu'ingénieurs, on est plutôt sur du mode off-policy, et donc les artisans, c'est peut-être plus du on-policy à voir. Et pour jouer aux échecs, effectivement, naturellement, ça serait plutôt du off-policy, on évalue. On réfléchit, sauf que effectivement, il me semble avoir lu dans un livre de sciences cognitives qu'ils avoir étudié les différents niveaux des joueurs d'échecs et les très grands joueurs d'échecs. Donc, ils avaient fait l'expérience avec le grand maître Karpov, donc dans les années 80, je pense, où il lui donnait un chiffre toutes les secondes à additionner dans sa tête en calcul mental. Pendant qu'il jouait aux échecs contre plusieurs personnes, et il arrivait à jouer aux échecs à peu près normalement, ce qui indique que même si sa capacité mentale est occupée par une tâche de calcul mental, il est capable de jouer aux échecs. Donc pour lui, on pourrait considérer que son cerveau est câblé en off-policy pour jouer aux échecs, mais je pense que, en tout cas moi, la plupart des gens jouent en off-policy aux échecs. Voilà. Donc, donc algorithme dit de policy gradient on policy se compose comme ça. Oh, dis donc, ça a glissé. Donc l'agent, effectivement, le réseau, dans notre cas le réseau de neurones, là au lieu de, il va en fait calculer directement la sortie, la stratégie, l'action. Il va donner sa sortie, ça va être la valeur d'action. Alors, soit on va distinguer en stochastic policy ou en deterministic policy. Stochastic policy, du coup, la sortie sort une probabilité de prendre une certaine action. Donc on retrouve notre, comme dans le DQN, effectivement, un contrôle discret. Donc il nous sort une probabilité. Donc après, de façon, donc on va choisir cette action en fonction de la probabilité sortie. Et en dernière, donc on est sur du contrôle discret. Et bon, à noter, pour la dernière fonction d'activation, on va mettre du coup un softmax ou une sigmoïde. Sigmoïde, si c'est s'il y a seulement deux actions possibles en Bernoulli. Autre, par contre, nouveauté, là, c'est le déterministic policy, où donc directement la sortie, en fait, ça va être la valeur d'action qui sera une action continue. Et en dernière fonction d'activation, on va mettre une sigmoïde si on veut une action continue qui évolue entre 0 et 1, donc en gros 0% ou 100% de la capacité du moteur qu'il y a derrière,
ou avec une tangente H entre moins 1 et 1. Donc, si on est sur des opposés, donc typiquement, je sais pas, un véhicule qui se déplace sur un axe particulier, donc moins 1 et 1, donc moins 100% d'une vitesse ou plus de 100% d'une vitesse. Alors, à noter, effectivement, dans la policy gradiente, l'epsilon greedy, on n'utilise plus l'epsilon greedy, on ne parle plus de epsilon greedy pour la policy gradiente unpolicy. Donc, dans le cas stochastique du haut, effectivement, on va prendre, pour explorer, on va prendre peut-être les probabilités de sortie. Donc, on va utiliser, on va pas prendre la probabilité la plus haute, mais on va tirer au sort l'action en fonction des probabilités de sortie. En mode déterministic policy, là, on n'a plus de moyens actuellement de faire d'exploration, ce qui va être un problème après, on va le voir ensuite. Donc, autrement dit, le policy gradient on policy, donc la comparaison entre donc policy gradient et deep curl learning, donc on policy et off policy. Policy gradient, il va dire directement vers la gauche où il donne l'action. Là où le deep learning, il prend en évaluation effectivement une quantité importante d'exemples auparavant, il va cumuler, donc ça reste. Ça reste, vu basiquement comme ça, ça reste plus long. Mais donc les inconvénients, les inconvénients effectivement du policy gradient, c'est que ça va monter sur un local maximum plutôt qu'un global optimum. Bon, avant de vous faire les inconvénients, je vais vous faire plutôt ce qui est en face. Ce qu'on avait vu, les avantages, c'est que le policy gradient est plus simple, parce que direct, que ce qui est les méthodes basées sur les fonctions Q ou V. Et facilitation pour les espaces, les contrôles continus et à haute dimension. Après, il s'agit donc la sortie. C'est l'action, et en fait, il s'agit plus de faire de gradient de descente et de minimiser une perte, mais là, il s'agit de maximiser ce qu'on va appeler une fonction, on appelle L aussi, mais qu'on parfois on va appeler plutôt fonction objective, d'objectif, pardon. Et pour cela, effectivement, ça correspond finalement. Un gradient ascente, une ascension de gradient, correspond, c'est une descente de gradient, mais négative. En termes de code, on utilise simplement les fonctions connues de SGD, donc stochastique gradient descente, ou ADAM, mais sauf qu'on fait un moins loss point backward, et avec l'optimizer step qui va bien derrière. Donc ça, c'est la version PyTorch, pardon. Mais ce qui nous permet simplement, juste comme ça, d'obtenir un gradient ascent. Si je reviens sur les défauts du policy gradient, c'est que ça va converger facilement sur un local maximum et non pas un global. L'inverse en français, un maximum local. Un maximum local et non pas un maximum global. Ça converge plus lentement, quand même, étape par étape. Donc du coup, ça peut amener finalement à un apprentissage plus long, contrairement à l'illustration du dessus. Et l'exploration, par contre, est peu efficace sur. Tiens. J'avais pas fermé le. Non, ça ne s'affiche pas. Ah oui, d'accord, vraiment. Alors, l'exploration est peu efficace et particulièrement pour même inexistence actuellement pour tout ce qui est politique déterministe ou avec un contrôle continu, des actions continues. Il n'y a pas de epsilon greedy possible. Le premier algo de policy gradient qui s'appelle reinforce, comme ça. Alors, on est dans l'histoire pré-DQN, hein, avant 2013. Je crois on est actuellement dans les années 90.
et marche de la façon suivante. Notre policy gradient, en fait, c'est l'espérance de donc log de la politique. Et ça. Donc cette partie-là, c'est la fonction de stratégie. Donc c'est ce qui c'est la sortie du réseau de neurones. Et donc pour la mise à jour du réseau de neurones, donc la fonction donc elle ou la fonction objective, ça va être la fonction objective, donc ça va être celle-ci, ça va être log de pi de s de a de theta qu'on multiplie par la récompense. On obtient, donc là, c'est la fonction à maximiser, on applique le learning rate et notre ascent gradient. Donc il va chercher à maximiser donc le log de pi de SA fois RT, fois la récompense. Alors on est en mode, là pour le coup, donc en reinforcement, on est en mode Monte Carlo, là, parce qu'actuellement on est obligé d'accumuler un certain nombre de récompenses pour pouvoir faire un peu des batchs. Donc on est sur des jeux entiers. Alors je ne sais pas si c'est très clair, mais l'idée de cette ascension de gradient avec cet objectif se matérialise comme ça. En fait, ce qu'il va chercher, c'est donc à maximiser donc les bonnes choses, ce qui est avantageuses et choses seront amenées à devenir plus probables si on est dans le cas du stochastique ou plus intense si on est dans le cas du déterministe. Les mauvaises choses, du coup, à l'inverse, effectivement, vont être poussées à devenir moins probables ou moins intensives. C'est compliqué. Alors, le problème, donc c'est... L'exemple qu'on avait vu dans les DQN là, est intéressant pour les policy gradients parce qu'on peut l'utiliser en mode discret ou continu. Donc bon, c'est pour les DQN, on l'a vu en mode discret, mais en continu aussi où là du coup la sortie, ça sera pas gauche droite, mais ça sera une vitesse dans un sens ou dans l'autre. Donc le problème d'une reinforce de cet algo reinforce, il a une énorme variance, ce qui est très problématique. Il n'arrive pas vraiment à apprendre. Donc une première évolution, on est toujours dans les années 90, c'est le Reinforce with Baseline, ou autrement appelé Vanilla Policy Gradient, ou VPG. Et là, cette problématique de variance est résolu en utilisant la fonction d'avantage qu'on avait vu précédemment avec le dueling des QN. Il y a une slide qui suit pour reprendre cette notion. Mais alors, dans notre policy loss ou objectif, on cherche donc à maximiser, au lieu de maximiser le log de pi theta, le log de la policy donc avant on était sur la récompense, là on la récompense, pardon, c'était en plus la récompense dans la trajectoire Monte Carlo. Là on multiplie par l'avantage, la fonction d'avantage. Et cette fonction d'avantage, en fait, c'est, on va le revoir ensuite, mais pour l'obtenir, c'est G de T, donc les récompenses sur toute la trajectoire jusqu'à la fin de la partie, moins la valeur d'état prédite, ce qui nous donne cette fonction d'avantage. Et pour prédire cette valeur, c'est-à-dire qu'on a un réseau de neurones à côté qui apprend la fonction V. Et ça nous permet effectivement, donc ça double le nombre de réseaux. Quoi, ça double? Oui, ça fait un deuxième réseau. Et on voit qu'effectivement, sur cette problématique-là de CARTPOL, en reinforcement, ça ne va pas très haut. Là où en reinforcement, avec un reinforce
avec Baseline ou VPG, mais ça va mieux. Alors, pour repenser cette notion de fonction d'avantage, donc en fait, on a notre fonction Q, état-action, est composée effectivement de la fonction V plus de la fonction avantage. Donc, la fonction V, effectivement, c'est la fonction qui va nous permettre effectivement de se projeter sur la stratégie pour atteindre des états de mieux en mieux, quoi, des meilleurs états. Donc on est sur quelque chose de l'ordre de la stratégie, visionnaire, critique, donc qui voit à long terme. Là où la fonction d'avantage, on va être plutôt sur la tactique des acteurs de terrain. Et donc, c'est à partir de n'importe quel état, qu'il soit bon ou mauvais, quelle est l'action qui va me permettre de tirer avantage de cet état actuel, présent, bon ou mauvais. Donc, on voit que la fonction, on devine, on a l'intuition que la fonction avantage, bon, est plutôt court-termiste, mais effectivement permet de sortir de cette problématique de haute variance. Ensuite arrive ce qu'on appelle les acteurs critiques. Alors là, finalement, on se retrouve avec un deuxième réseau de neurones, ce qui fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu juste avant, VPG, Reinforcer with Byline, avec le deuxième réseau de neurones qui essayait d'évaluer la fonction V, la fonction d'état. Or là, effectivement, donc on en parle d'acteurs critiques, et la grosse bascule, c'est qu'on bascule en TD Learning, on n'est plus en Monte Carlo. Donc on prend étape par étape. Donc là, ce qui se passe, c'est c'est un peu la même chose. Donc la policy update ou la policy loss, c'est log de toujours log de pi de SA de fois la valeur Q prédite par le modèle dit critique. Donc l'acteur, c'est le modèle qui prédit la stratégie, la policy, et le critique, c'est le modèle qui prédit la valeur Q. Donc oui, pour les value update, donc pour l'acteur, effectivement, le policy update, c'est cette forme-là, et pour calculer pour le réseau de neurones qui calcule la fonction Q, on a ici l'update, donc le gradient du Q fois le on a deux learning rates différentes pour chaque modèle, le learning rate fois la TD error. Donc l'acteur à la critique, le rôle d'acteur, effectivement, c'est lui qui décide l'action. Le critique, c'est celui qui va avoir une vision, donc qui va évaluer la fonction Q, donc il va avoir une vision un peu plus, une vision plus haute. Ensuite, on arrive dans, donc en fait, à partir de là, c'est les modèles qui sont réellement utilisés aujourd'hui. Donc avant, on était sur un peu la préhistoire. Là, donc ce qu'on appelle A3C, donc c'est Asynchronous Advantage Actor Critique. Donc on est sur un mode acteur critique. La différence, c'est que au lieu d'être en TD Learning, donc il faut entendre TD 0 Learning à un coup, on va utiliser ce qu'on avait vu lors du deuxième chapitre, le TD N Step. On va prévoir à plusieurs coups, donc on va prendre N itérations. On utilise, comme pour le Reinforcement with Byline, la fonction avantage. Et donc, chose très importante, c'est pour cette problématique, on avait vu qu'en termes d'exploration, on était sur quelque chose d'assez nul actuellement. Donc, en fait, on va utiliser plusieurs workers, c'est-à-dire plusieurs modèles branchés avec des environnements différents. Donc, en fait, ils jouaient en parallèle.
et sur donc avec des policies différentes, et ils vont mutualiser en fait toute leur expérience en parallèle pour obtenir pour en fait explorer plus largement l'environnement. Voilà, donc ça c'est ce qui est représenté ici. Effectivement, c'est le détail dans un worker. On a la policy, donc c'est notre acteur. La value function, c'est notre critique. Il se sert pour se mettre à jour du TD error pour que le critique se mette à jour lui-même. Et effectivement, la mise à jour de l'acteur prend en compte le TD error, quoi, il calcule la fonction d'avantage grâce au TD error, à la value function. Là, il y a le détail, effectivement. Le calcul de A, c'est cette opération-ci. Donc, le critique calcule V. Évolution de la 3C, alors A2C, au lieu d'être asynchrone, il est synchrone, avec cette idée qu'effectivement, asynchrone avant, parce qu'on ne s'embêtait pas à essayer de synchroniser la mutualisation, l'agrégation de chaque worker. Donc, il pouvait arriver que les différents agents travaillent sur des versions du modèle différentes, AN-1 ou AN-1. Donc, la version A2C, c'est juste de rajouter un coordinateur qui permet de s'assurer que tous les workers, les agents qui travaillent donc sur nos environnements parallèles, soient au niveau de la même version en termes de mise à jour du modèle. Ce qui permet effectivement à la fin d'avoir une convergence plus rapide. Alors là, on arrive dans peut-être le plus complexe, mais le Proximal Policy Optimization, qui est donc une évolution. Donc à partir de la slide précédente, donc c'est-à-dire du mode A2C, on est en multi-worker, avantage synchronisé. Ce qui se passait, c'était effectivement avec cette. Donc, ici, effectivement, on a la policy loss version A2C. Il faut comprendre qu'effectivement, on a beaucoup de problèmes de update large et destructif, ce qui est représenté en fait par les petits schémas, les petites photos qu'on a ici. Effectivement, on peut comprendre que dans notre ascension de gradient, on va calculer notre gradient, et si on fait une grosse étape, catastrophe, ça peut être la chute vertigineuse vers une policy bien plus basse. Ce qu'on va faire avec en version PPO, c'est on va clipper, on va segmenter, on va empêcher d'aller trop loin et de façon itérative, ce qui nous permet de le faire de façon itérative, ce qui nous permet effectivement de faire une ascension de gradient complexe. Voilà. Alors pour cela, effectivement, on utilise la fonction objective clipper, donc substituer et clipper. Donc déjà, on utilise cette fonction qu'on appelle LCPI, qui est une approximation de LPG. En tout cas, en termes de gradient, c'est à peu près la même chose. Donc on fait donc la policy actuelle, rapport de la policy actuelle par rapport à l'ancienne, donc l'étape juste avant, fois l'avantage, et donc on appelle RT, AT, voilà. Et après on va clipper avec cette fonction là min, c'est difficile à se représenter, mais elle est représentée ici, c'est-à-dire que lorsque l'avantage est positif, on va clipper à la valeur R à 1 plus epsilon. Alors, epsilon, c'est de l'ordre de 0,1 ou 0,2, souvent 0,2. Donc, disons qu'il y a 1,2 ce rapport-là. Donc, s'il y a une augmentation de 20%, on clip et on arrête d'upgrader. Et inversement, quand l'avantage est négatif, on clip à 1 moins epsilon, donc pourquoi pas 0,8 à 80%. Donc, ça nous permet de faire ces petites étapes. À ça, on va rajouter ensuite des petits bonus. Effectivement, c'est un, donc
une MSO sur la value fonction pour essayer de coller au maximum à la prédiction de fonction, et un bonus à l'entropie pour s'assurer que chaque worker qui travaille parallèlement là, sur les environnements parallèles essaye des choses différentes, explore. Ce qui est intéressant, c'est que donc on obtient des batchs possibles. On n'a plus nos memory, nos buffers memory hein, là, actuellement, on est sur du temps réel, mais on obtient des batchs qui correspondent au nombre de workers, au nombre d'agents parallèles fois le nombre d'étapes là, dans le TDN, donc le nombre de coups on voit. Donc on obtient effectivement une taille d'expérience qui peut aller de l'ordre de la centaine voire milliers. Et on peut appliquer, parce qu'on clip le gradient, on peut faire tourner ça sur plusieurs époques. Pour une itération, on peut faire donc mini-batch, époque. Voilà. Et ça, cette complexité-là nous mène à effectivement, donc en 2017, OpenAI a déclaré que l'algorithme PPO, celui qu'on vient de voir, était un algorithme qui marchait dans énormément de cas, qui était computationnellement simple à mettre en place par rapport à d'autres. Et donc, ça devient un peu leur référence, leur baseline actuelle. Et effectivement, avec PPO, ils ont gagné le concours de jeux vidéo sur Dota 2 sur ce modèle-ci. Voilà. Donc, on est sur la baseline du deep learning moderne. Deep reinforcement learning moderne, pardon. Hop, en face. Alors, mais on va voir maintenant une autre famille en fait, qui est de policy gradient, donc dit deep déterministique policy gradient, qui elle cette fois-ci est off policy, sachant que tout ce qu'on avait vu avant de policy gradient, c'était les on policy. Et en fait là, donc c'est assez simple. En fait, il s'agit d'utiliser tout ce qu'on a vu en DQN et de l'appliquer au monde du contrôle continu. Donc pour les actions dites continues. Et pour cela, donc on va réutiliser en fait toutes ces notions de DQN, donc avec les target network, les expériences replay buffer, entre autres. Et de la façon suivante. On a effectivement notre état, on a un modèle critique qui ressemble clairement à un DQN, exactement de la même manière. Et après, on va avoir notre acteur, donc qui est bien un policy gradient, mais pour l'upgrader, donc en sortie, on va obtenir directement l'action, la valeur d'action à entreprendre. Par contre, pour l'upgrader, on va prendre le gradient donc le gradient de la policy fois le gradient du critique. Donc là, le gradient du critique en sortie, hop, on l'applique directement ici, on multiplie cette fois-ci un gradient. Et en sortie, on obtient une valeur. Alors, vous allez me dire, là, pour l'histoire de l'exploration, là, on ne peut plus utiliser de Ypsilon Greedy, parce que c'est du continu. Donc, en fait, on va le voir ensuite, on rajoute du bruit pour gérer l'exploration de la façon suivante. Donc, pour l'exploration, au lieu d'utiliser plusieurs workers comme la famille acteurs critiques, donc A3C, A2C, PPO. On utilise une exploration bruitée. Donc pour cela, c'est soit on applique du bruit à la sortie du réseau de neurones de l'acteur, ou soit on ajoute du bruit pour sur chaque nœud du réseau de neurones, pour chaque poids. Donc, ouais, j'ai mis une petite représentation de hula hoop. On peut imaginer que si on ne sait pas faire du hula hoop et puis qu'on se met à bouger un petit peu dans tous les sens et de façon un peu structurée, pourquoi pas avec de la musique, on arrive à faire du hula hoop.
Dernière slide, pour traiter ce dernier problème qui nous manquait de l'histoire des multi-agents avec des DPG, quoi, dès qu'on a en fait acteurs critiques. Donc c'est vrai aussi avec les acteurs critiques on policy. On a les multi-agents des DPG, où là l'idée c'est donc ils peuvent traiter le collaboratif et l'adversarial. Donc là, ça s'applique par exemple sur des jeux de foot simplifiés ici, où on a un coéquipier et des adversaires. Et en fait, le critique, les modèles critiques de chaque agent prennent en entrée en fait les actions de tous les agents. Donc, alors après, le côté adversarial ou collaboratif, effectivement, se fait sur sur la récompense. On peut y associer un signe positif ou négatif. Fait. 16h17. D'accord. Donc, en conclusion, et après j'ai un petit notebook à vous montrer ensuite. Donc là, c'est une cartographie qui provient de OpenAI Spinning Up, donc sur la documentation sur le Deep Reinforcement Learning, où on retrouve en fait les trois familles qu'on a vues. Les algorithmes de reinforcement learning, quoi, de type reinforcement learning, on va les distinguer en libre de modèle ou basé sur le modèle. Donc la partie basée sur le modèle, on en dit juste un petit mot juste après. Donc la famille en fait libre de modèle, on a effectivement ce qui est basé sur le Q-learning, donc on a nos DQN et nos évolutions de DQN. Alors DQN, c'est 51 QRDQN. Bon, on est passé rapidement dessus, mais c'était le distributional DQN. Et HER, c'est donc ER, c'est pour Experience Replay. Donc H, c'est Insight. Donc c'est une évolution des expériences replay dont je n'ai pas parlé, mais plus évoluée encore que les expériences replay priorisées. Donc là, si on se rappelle, cette famille-là, elle ne traite que les cas du contrôle discret. En face, on a les DDPG, donc qui provient aussi du Q-learning of Policy, qui traite seulement les environnements continus, contrôle continu. Donc DDGPG, TD3, SAC, TD3, SAC, c'est des évolutions de DDPG, donc je n'ai pas le temps de parler. Et la famille donc Policy Gradient, donc on policy, on a vu donc les A2C, A3C, PPO, TRPO, c'est équivalent à PPO mais en plus mathématique, en plus complexe, avec des notions de donc c'est trust region proximal optimization avec des divergences KL comme on avait un petit peu vu. Donc là, la famille policy gradiente, on s'en rappelle, et on peut l'utiliser en contrôle discret et continu, les deux. Alors, quel algorithme utiliser selon Stables Baseline 3 ? Lorsque on est en single process, donc un seul processus, si le contrôle est discret, on va utiliser la famille des DQN, DQN ou distributional DQN. Donc souvent plus lent à entraîner, efficace sur la représentativité des données à cause du replay buffer. Si on est sur du contrôle continu, c'est la famille des DPG, les évolutions du DPG, les SAC, les TD3 et les TQC. En multiprocessing, il est bon d'utiliser, parce qu'on utilise pour l'exploration cette histoire de multi-worker, il est bon d'utiliser donc pour le contrôle continu PPO ou A2C. Souvent PPO, c'est mieux. Et pour le contrôle continu, PPO, TRPO ou A2C. À noter que pour ce qui est contrôle continu, il est important d'utiliser en fait les hyperparamètres que l'on peut obtenir dans des,
eaux de modèles de reinforcement learning, parce que c'est difficile à converger, en fait, comme si on est sur des valeurs continues. Voilà, c'est compliqué à entraîner. Et on est très sensible à la valeur des hyperparamètres. Ah, pardon, oui. Juste là-dedans, effectivement, oui, j'ai un peu sauté rapidement le côté RL modèle base qu'on n'a pas vu. Donc là, il y a une slide qui permet de voir ce qu'est donc l'apprentissage du modèle pendant l'entraînement et du modèle, faut entendre, de l'environnement. Et après, il y a le modèle connu, donc là c'est tout ce qui est alpha 0, alpha go, donc ça j'en parle pas, je vous renvoie vers le livre et les papiers de alpha 0, alpha go. Donc si on revient sur cet exemple rapidement, donc qui correspond un peu au futur, hein, aux évolutions futures en fait, qui rajoute un cycle dans notre agent qui apprend d'un world model, quoi, d'un simulateur. En fait, on a un agent. Oui, pardon. On a un agent d'évaluation, on a un world model. Oui, en fait, l'idée, c'est que à partir des observations, on va créer en machine learning, en fait, un modèle de l'environnement, ce qui permet effectivement de mettre une barrière entre la réalité et l'agent qui apprend, et surtout de répéter des cycles d'apprentissage et d'aller explorer des choses qui sont pas forcément visible directement en interaction avec le vrai environnement. Donc là, je vous invite effectivement à lire des choses là-dessus. Mais bon, c'est une ouverture importante. Un papier qui a fait date en 2019 de OpenAI, c'était donc un bras articulé robotique qui était capable de qui manipule dans sa main effectivement un cube. Sur ce cube, il y a des lettres, et en fait on lui donne comme objectif de tourner le cube pour que la lettre demandée apparaisse sur la face opposée à la paume, quoi, sur la face visible. Et pour cela, en fait, il a mis en place il y a un réseau de convolutifs avec trois caméras et trois axes différents qui permet de capter effectivement la position du cube, plus des capteurs sur chaque doigt. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière, ça passe sur un LSTM, donc qui va capter le temps. Et donc, à partir de ces entrées, via un modèle type donc PPO, Proximal Policy Optimization, et un LSTM, donc on obtient effectivement un mouvement de la main et ça, étonnamment, effectivement, ça marche bien, et c'était une première, et c'était impressionnant, parce que d'avoir une tâche, alors certes particulière, mais qui marche aussi bien dans la réalité, et connu comme difficile. Et si ça a bien marché, c'est bien parce qu'on avait un banc de tests et de capteurs très évolués, et un apprentissage simulé mais largement distribué. Donc bon, grâce à toutes ces énergies et ces anticipations, on a réussi à obtenir une application intéressante dans le monde réel. En termes de librairies Python intéressantes, notamment ce sont des eaux de modèles pré-entraînés, Dopamine sur TensorFlow, et derrière c'est Google, et Stable Baseline 3 sur PyTorch. Je vous propose d'aller voir justement le deuxième notebook qui est sur Stable Baseline 3.
Alors, bon. Donc là, il s'agit, oui, c'est un notebook, donc ça provient effectivement de la documentation de Baseline 3 et on l'a adapté rapidement pour vous montrer des choses. Alors, je l'ai déjà exécuté, donc après, vous pouvez le faire chez vous sur un collab. Ça met un peu de temps à charger toutes les librairies. Et après, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer les résultats des modèles pré-enregistrés. Donc, en fait, on obtient cela. Donc, dans un environnement discret, on va voir, donc c'est le jeu Pong. On a des résultats sur les modèles qui sont capables de gérer des environnements discrets. Donc, des DQN, des QRDQN, donc c'était des DQN sur des distributional DQN. Les A2C, les PPO, donc les on policy qui sont capables de gérer de l'environnement discret, et on obtient cela. Et donc, sur cet environnement-là, je vous invite à aller regarder les autres, mais on peut voir donc, à première vue que le DQN a l'air de très bien se débrouiller. Alors, il faut voir que dans Stable Baseline 3, le DQN, c'est au moins du Rainbow DQN, avec toutes les évolutions possibles. Ramener, alors plus intéressant, là en abscisse, vous pouvez mettre le temps, la période ou les itérations. Donc là, si on regarde le temps, on voit que le DQN, bon, pour arriver avec un même nombre d'épisodes pour chaque. Donc là, le DQN, il le fait en 20 heures, mais bon, déjà à 4-5 heures, on pouvait considérer qu'il avait déjà atteint son point haut, soit une récompense à peu près de 20. Le QRDQN, et là, pas mieux que le DQN, parce qu'il il le fait en 35 heures pour atteindre, ou disons 30 heures pour atteindre à peu près 20 aussi. L'A2C, bah, il fait moins bien, il est en dessous de 20, et il le fait en 2 heures, 2-3 heures. Et le PPO, il est un peu plus au-dessus de 20 que les autres, mais en 35 heures, ou disons en 15 heures, ou en 10 heures. Alors, juste le résultat de Pong, donc là, c'est le résultat affichage du DQN. Donc, ça donne ça. Ça veut dire, donc, le DQN, le modèle appris, c'est celui qui gagne, hein, c'est vert. Donc, il gagne à chaque fois en un coup, sachant que l'environnement Atari, il n'est pas très intelligent non plus. Ensuite, les environnements continus, la même chose en environnement continu, et je m'arrêterai là ensuite. Donc, sur l'environnement ANTV3, donc c'est faire marcher une araignée, un robot avec quatre pattes, qui est une araignée, donc chaque rotule donc ça est en contrôle continu. On prend les modèles qui sont utilisables seulement pour les environnements continus, donc les on policy PPO, TRPO et les off policy que sont les SAC, les T2-3 et les TQC, donc famille des DPG. Et on obtient cela où là rapidement on a l'impression que c'est la version TD3 qui est la meilleure. Si on regarde avec le temps, on voit donc PPO, c'est en une heure, mais il atteint les 1200. TRPO, la bien meilleure, il atteint les 4000 en 30 minutes. TQC, donc là on est dans les offline. Il atteint 3600 en 2h30, un peu plus de 2h30. Et en 2h30, lui, il atteint plus de 5000. C'est lui qui a atteint le TD3. Et le SAC atteint presque 5000 en 3 heures. Hop, le résultat, alors je ne sais pas si on va le voir, mais du meilleur TD3 à la fin de son apprentissage. Hop, de l'araignée. Je ne sais pas si on voit bien.
Bon, le rendu est un peu sale, mais là, en vrai, on la voit vraiment, elle cavale, elle va super vite. D'ailleurs, même, elle va tellement vite qu'elle sort de... Le terrain. Elle sort du terrain. Ouais. Alors, je ne sais pas si ça vous impressionne, mais c'est ces entraînements spécifiques, hein, et continus, et vraiment compliqués à tuner en termes d'hyperparamètres. Souvent, les premiers essais, on a l'araignée qui s'écroule lamentablement sur le terrain et de façon répétée et laborieuse. Voilà, derrière, il y a les codes si vous voulez faire un apprentissage vous-même, mais c'est long. Mais je vous invite à regarder tout ça et puis à explorer à la limite les autres environnements. Toujours pas de questions, on arrive à la fin sinon. Pas de questions ouvertes, non. Mais la semaine prochaine, alors, ça va être notre séquence numéro 14 qui va concerner l'éthique notamment. Donc, IA, intelligence artificielle, droit, éthique et société. Donc, interprétabilité, reproductabilité. Et biais, cadre légal et confidentialité des données. Donc, on a mis George Orwell. Donc, d'ici là, je vous invite à relire 1984. Et il y a moi, il y a Bertrand Cabot, c'est moi. Mais sinon, si Laurent est là, je ne sais pas si Laurent veut dire un mot. Sur ouais, je peux faire bon, un petit topo. Donc, ouais. Juste, oui, vite fait. Donc, dire que oui, ce sera. On aura trois parties vraiment bien. Qui vont aborder trois points clairement distincts. Et un premier qui est vraiment l'encadrement légal de l'IA. Parce que, notamment au niveau de l'Union européenne, il y a. Donc, on utilise beaucoup de techniques un peu boîte noire, tout ça, qui peuvent avoir un impact sur la société avec des questions d'éthique. Et en fait, le droit, notamment au niveau européen, s'est vraiment emparé de ces questions et est en train de faire tout un ensemble de textes. Donc voilà, l'idée, ce sera vraiment d'énoncer ces textes et de voir l'impact qu'il pourra avoir, en tout cas, sur l'utilisation de l'IA. Donc notamment sur le fait qu'il faut qu'il n'y ait pas trop de biais, de discrimination, que beaucoup de choses soient explicables, au moins quand ça peut avoir un impact sur la vie des gens, pas ce genre de choses. La partie 2, ben, du coup, peut-être tu peux peut-être la présenter mieux que moi, j'imagine. Oui, ben, la partie 2, alors du coup, c'est moi qui vais la faire. Donc, ça va être sur les problématiques et les solutions technologiques pour tout ce qui est confidentialité des données. On va voir qu'une base anonymisée et pseudonymisée ne suffit pas à toute attaque sur la confidentialité. Donc, on va voir les quelques solutions technologiques qui ne sont pas évidentes. Donc, désolé, on va retomber un petit peu dans de la techno et sur cette partie-là. Et voilà. Et ensuite, la partie 3. Et partie 3, alors ouais, la première, j'ai oublié de dire, sera un juriste qui va la faire, mais avec qui je travaille depuis quelques années, donc qui connaît bien les gens dans le technique, qui sait leur parler. Et donc, partie 3, donc je le ferai. Donc là, je parlerai vraiment des biais de discrimination en IA, notamment avec les réseaux de neurones. Et puis, tout ce qui est lié à l'explicabilité. Dire, bon, ben, un réseau de neurones, on peut voir ça comme une boîte noire. Comment expliquer une décision? Et là, bon, en présentant notamment deux solutions assez classiques pour faire ça, donc il y aura LIME et GradCam. Voilà. Et puis après, dire qu'il y a toute une communauté qui travaille là-dessus. Et puis après, voilà, pour finir, je pense qu'on devrait normalement avoir un peu de temps pour sans doute des questions, des discussions. Voilà, on va voir. Voilà, merci. Et voilà, merci. Du coup, moi, j'ai terminé. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. J'avoue que, en fait, le fait que les slides sont en anglais... J'ai perdu un peu le fil sur mon vocabulaire, sur les traductions, etc. Donc j'espère que c'était compréhensible. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, donc j'espère que... C'était compréhensible et un vrai challenge, parce que réussir à traiter l'apprentissage par renforcement
en deux heures et demie comme ça. Deux heures et demie, et d'aller aussi, en plus aussi loin, là, si on a été jusqu'au Policy Gradient, qui est vraiment le... Bah, qui est, oui, ce qui est le Deep Reinforcement Learning du moment. Et, donc, voilà. Quoi, du moment. Alors, on est exactement, on est dans les années 2018-2019. Mais voilà, on est... C'est déjà bien. C'est déjà bien, oui. Ben, merci beaucoup. Ben, bravo, bravo, bravo pour cette séquence, qui n'est pas effectivement la dernière séquence technique, puisqu'on va... On réabordera un petit peu, enfin, tu réaborderas un petit peu certains aspects techniques, certaines solutions techniques à des problèmes, sociétaux la semaine prochaine. Mais bon, voilà, c'était quand même le gros morceau, la dernière très grosse séquence technique. Et bah, merci encore et bravo, quoi. Et puis, rendez-vous à toutes et à tous la semaine prochaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous pour cette ultime séquence. Alors, on aura une dernière séquence de bilan, mais dernière séquence fidèle sur un sujet qui est très accessible, touche tout le monde et nous touche d'un point de vue société. Donc, n'hésitez pas à communiquer autour de vous pour cette prochaine séquence. Qui peut être suivi sans avoir suivi toutes les séquences précédentes et à laquelle je pense qu'on est, qui nous concerne tous. Voilà. Merci encore. Merci. Au revoir. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. Au revoir. Au revoir.